Restez avec moi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux pour passer cette soirée en compagnie de Catherine Laine, qui nous fait le plaisir de venir de Clermont-Ferrand pour nous parler de la nature, des arbres, de la communication entre les arbres, etc., etc. Et ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux. Je vous rappelle quand même qu'il y a une exposition Arbres qui vient d'ouvrir. C'est la nouvelle exposition de l'Espace des Sciences qui sera en place jusqu'au mois de septembre. Et il faut aller la découvrir avec vos enfants, parce qu'il y a encore plein de choses à manipuler, voilà, comme d'habitude dans toutes les expositions de l'Espace des Sciences. Et c'est en résonance avec cette exposition qu'on avait envie de vous recevoir, Catherine Laine. Il y aura une autre conférence, je vous le dis tout de suite, avec Yves Daricot, qui aura lieu le 21 mai prochain. Je ne serai plus avec vous, mais ne ratez pas cette conférence. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui travaille ici en Bretagne et qui a écrit un très beau livre sur les arbres du futur, les essences qu'il faudrait maintenant planter pour la suite, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Voilà, alors ravie de vous recevoir, Catherine Laine. Vous venez de Clermont-Ferrand, vous êtes enseignante chercheuse en biologie végétale à l'université qu'on appelle Clermont-Auvergne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Hein, vous êtes également chercheuse au laboratoire de physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. J'ai trouvé ça assez poétique, j'ai rien compris. En cours, on dit piaf, je trouve ça très, très mignon, mais expliquez-nous un petit peu ce sigle. Oui. Je crois qu'il est lié à une... Ah, il est lié à l'histoire du laboratoire, en fait. C'est déjà un laboratoire assez ancien, et l'acronyme piaf existe depuis la création de ce labo dans les années 60-70. Et on a fait évoluer la signification de l'acronyme pour ne pas perdre ce piaf, parce que d'abord on était attaché à lui, et puis en plus le laboratoire est connu internationalement sous ce nom de PIAF. Donc physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant, vous l'avez dit parfaitement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord physique et physiologie, ça veut dire que dans ce laboratoire il y a à la fois des biologistes qui étudient le fonctionnement de l'arbre, c'est la physiologie, et il y a des physiciens qui apportent aussi leur concours et leurs compétences de chercheurs. Je rajouterais même qu'il y a aussi des mathématiciens, des écologues, voilà, on a des mécaniciens, des spécialistes de la biomécanique. Donc on a beaucoup de disciplines représentées dans ce laboratoire, parce que c'est un laboratoire interdisciplinaire. Et ça, c'est une grande force du labo. Et intégrative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on intègre tout ce qu'on trouve pour essayer de construire un modèle de fonctionnement de l'arbre. On intègre de la molécule, des gènes qu'on étudie, jusqu'à l'échelle de l'arbre entier, de la plante entière, voire même de l'arbre dans son environnement, c'est-à-dire dans sa parcelle, si c'est un arbre de plantation, ou en forêt. Arbre, le A, ça c'est le plus simple. Voilà. Et encore, définir un arbre, ce n'est pas toujours facile. Et le F, pour environnement fluctuant, il fut un temps où c'était arbres fruitiers, parce que le laboratoire travaillait essentiellement sur les arbres fruitiers. Donc on a changé en environnement fluctuant pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, on étudie les capacités des arbres à percevoir les facteurs de leur environnement, les facteurs physiques ou les facteurs du vivant. Et ces facteurs sont des facteurs fluctuants. Le vent fluctue d'une journée à l'autre, d'une saison à l'autre.
la température fluctue, la présence d'eau, etc. Donc ce sont des facteurs fluctuants. Et puis les fluctuations, hélas, nous sommes bien à la mode maintenant dans ce laboratoire parce que nous étudions bien sûr l'arbre face au changement climatique, au dérèglement climatique et donc à ces nouvelles fluctuations qui se produisent. Alors vous, vous travaillez, donc vous menez vos recherches dans ce labo, PIAF, et vous essayez de comprendre, si j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit, la capacité des arbres à percevoir le vent et la gravité et à répondre par des mouvements de croissance adaptés à cela. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment les facteurs mécaniques de l'environnement. Donc on travaille sur le vent et sur la gravité. Donc côté vent, on essaye de comprendre comment un arbre perçoit le vent et comment il grandit, comment il adapte sa croissance en fonction des régimes de vent qu'il connaît. Et donc ça, on est en plein là dans les problématiques aussi de résistance des arbres face aux tempêtes qui vont, et on le voit déjà, dont la fréquence augmente avec le dérèglement climatique. Et puis le côté gravité, on essaye de comprendre, ça c'est peut-être mon côté préféré, comment un arbre se rattrape aux branches. C'est-à-dire, quand il est incliné par une tempête, comment fait-il pour se redresser à la verticale ? Donc comment d'abord il perçoit qu'il est incliné et comment il adapte sa réponse de croissance pour retrouver cette verticale ? C'est la résilience. C'est la résilience. Vous êtes. Alors, comment en êtes-vous arrivé ici ? Vous êtes originaire de Lille. Vous avez fait vos études à Lyon, à l'École normale supérieure. Oui. Et puis ensuite à Grenoble. Et puis vous êtes arrivé à Clermont-Ferrand où vous avez d'abord travaillé sur les plantes. Mais les arbres, ce sont des plantes aussi. Oui, tout à fait. Et puis en arrivant à Clermont, au PIAF, j'ai donc adopté le modèle du labo qui était une plante particulière, l'arbre. Et donc effectivement, un arbre, tous les arbres sont des plantes. Les plantes terrestres, ce sont les mousses, les fougères, donc les conifères, les plantes à fleurs. Voilà. Donc les arbres sont des plantes particulières et se définissent finalement comme étant une plante emplie de bois qui pousse, qui s'élève à plus de 7 mètres de haut à l'âge adulte, qui possède une tige dominante, le tronc, et qui a une longévité importante, en tout cas plus d'un an. C'est ce qui le différencie d'une plante. Ce que je vous ai dit, c'est la définition du forestier, en gros. Hein. D'accord. Et il y a plein d'exceptions. C'est ça qui est drôle, c'est que quand on essaye toujours d'étiqueter les choses, mais il y a beaucoup d'exceptions. La première qui me vient à l'esprit, c'est le tronc unique. Quand on taille un arbre et pour en récupérer le bois et qu'on laisse la souche vivante, cette souche va repartir, faire des rejets. Oui. Et de ces rejets, il y aura plusieurs troncs qui pousseront et qui donneront une CP. Est-ce qu'un châtaignier mené en CP, un charme mené en CP, n'est plus un arbre ? Bien sûr que si, ça reste un arbre, ça reste un châtaignier et un charme, sauf qu'il n'a plus la tige dominante, il en a plusieurs. Donc vous voyez, il y a plein d'exceptions en fait à cette définition. Alors, vous êtes aussi directrice de la Maison pour les sciences en Auvergne. Voilà. Auvergne. Maison pour la science en Auvergne. Oui. C'est quoi ? C'est là que vous enseignez, non ? Parce que vous êtes enseignante chercheur, donc vous avez des étudiants. Mmh. Mais là, vous enseignez aussi. J'enseigne aussi. Donc mais aux enseignants, c'est en ça, quelque sorte. Les étudiants, c'est la formation initiale, licence, master. Et les professeurs, les enseignants, donc professeurs des écoles pour le premier degré et professeurs de collège et lycée pour le second degré. Là, c'est la formation continue tout au long de la vie. Et on enseigne, on organise de la formation en sciences, pas seulement en biologie végétale. Moi, j'interviens quand il y a de la biologie végétale à faire, mais c'est des formations de physique, de techno, etc. Et donc, cette Maison pour la science en Auvergne, c'est un service de l'université et, qui a 10 ans. Là, ça a été monté il y a 10 ans. Et donc, on travaille en partenariat avec le rectorat pour former les enseignants et accompagner les projets de classe. Alors vous êtes très investi aussi justement dans le partage des connaissances, les conférences, les livres, on va en dire un mot dans un instant. Vous estimez que ça fait partie de votre mission de chercheur ? Absolument. On a trois missions en fait. On a l'enseignement, la recherche et la diffusion. Diffusion des savoirs, donc vers le grand public, vers la société. Et cette diffusion de la culture scientifique, moi j'adore ça, donc... Je fais avec plaisir, en fait. C'est ma récré.
Vous êtes bon, alors c'est sympa que vous soyez venir faire, que vous soyez venu faire votre récré ici à Rennes. Alors, je voudrais qu'on dise un mot des livres parce qu'il y a la librairie Le Fayère qui est là-haut. Alors moi, je suis enthousiaste vraiment. J'aime beaucoup vos livres. Les trois derniers que vous avez fait paraître, il y en a peut-être un. Les un trois derniers, c'est les trois seuls. Bon, alors les trois livres, aussi les trois premiers. Alors, dans la peau d'une plante, 70 questions impertinentes sur la vie cachée des plantes. Là, moi, je le présente dans la réédition. Il a été édité, je crois, en 2014 pour la première fois et donc réédité en 2023. Et il est paru dans la collection Point. À l'origine, c'est chez Belin. Oui, et ça a commencé comme ça, dans la peau d'une plante. Dans la peau d'une plante. Ouais, c'était finalement ce qui m'a donné l'idée, c'est les questions des enfants. Oui. Parce que j'aime beaucoup aussi, je participe assez souvent au Petit Bateau sur France Inter. Oui, oui, on vous entend souvent. Les questions souvent, des enfants, moi j'adore. Hein. Et donc dedans, il y en a une, par exemple, c'est juste pour vous citer. Est-ce que les plantes carnivores font caca? Voilà, donc la petite fille avait 6 ans et j'ai trouvé la question extraordinaire. Donc je l'ai reprise, elle est dans le livre. Vous y lirez la réponse. Oui, et dans le livre aussi, vous apprendrez que les plantes ressentent les caresses, qu'elles bougent de vrais mouvements, qu'elles savent parler aux insectes et mille autres choses encore étonnantes. Voilà, c'est vraiment le livre. Donc le premier. Le deuxième, c'est Dans la peau d'un arbre. Bien. Le premier a très bien marché. Continuons. J'ai pas changé le titre ou presque. J'ai arrêté après parce que oui. Ça faisait beaucoup de Dans la peau d'eux. Secrets et mystères des géants qui vous entourent. Alors c'est pareil. Là, moi, je vous le présente dans cette collection, mais il existe. Et vous regrettez un petit peu cette collection en point. Hein, celui-là, hein, pas celui-là, mais celui-là, voilà, je crois. Elle est plus économique, bien sûr, parce que c'est un format semi-poche. Mais la version d'origine est plus illustrée dans la peau d'un arbre. Il y a beaucoup de photos qui ont dû être enlevées dans la version rééditée cette année. Oui. Donc je conseille quand même la première version qui est la version d'origine chez Belin. Oui, alors celui-ci, il est paru en 2021, réédité donc en 2023 voilà. Aussi. Il y a une préface de Francis Allais qui dit que c'est un livre formidable. Simplement, il fait juste une petite critique. Il dit « Un livre qui concerne essentiellement les arbres des latitudes tempérées de l'hémisphère nord. » Il a raison. Précise-t-il. En gros, il vous incite à prolonger ce travail en vous intéressant aux arbres des tropiques. C'est alors, pas ça ? C'est ça, mais je ne lui ai pas encore obéi. Et donc, effectivement, c'est un livre vraiment sur les arbres de France métropolitaine, en fait. Ce que vous pouvez voir tous les jours en allant travailler. Et puis, alors, le tout dernier, on vient juste, nous, de le recevoir. Il s'intitule « Bise arbre ». Il est paru aussi aux éditions Belin. C'est un livre absolument magnifique. Vous avez dit « Bise arbre ». Vous avez dit « Bise arbre », bien sûr. Paru chez Belin, oui. Avec un nombre d'illustrations absolument... C'est pour ça qu'il est épais, parce que ça peut faire peur. Il fait 500 pages. En fait, il a beaucoup de photos. Voilà. Plus de 500 pages. Oui, mais 600 photos et schémas. Donc, mais que vous avez ordonné quand même. Je crois que vous avez eu du mal à l'ordonner, c'est en ça. Fait. Hein. Donc en fait, c'est une galerie de... 6 chapitres. Voilà, c'est une galerie de portraits d'arbres bizarres. Des arbres tordus, des arbres vrillés, des arbres... voilà, c'est quoi un bizarre? C'est un arbre devant lequel vous faites oh, ben, qu'est-ce qu'il a celui-là, quoi. Et donc pour se demander comment il a fait ça, quelle a été son histoire de vie, et derrière, c'est bien sûr moi le prétexte pour faire de la science, donc expliquer comment un arbre se redresse, comment un arbre se vrille, comment un arbre, pourquoi des grosseurs peuvent apparaître sur le tronc, etc. Et ils sont classés en 6 familles parce qu'il fallait faire un sommaire. Hein. Bon, sinon, voilà, c'est plutôt une galerie de portraits. Que je n'ai pas trouvé, d'ailleurs. Je les ai... Le sommaire, oui. Au début. Je les ai rassemblés par famille, si vous voulez. Voilà. Au tout début. Oh. Ah, il est là. Ah, bah alors. Je me suis embêtée à aller chercher à chaque fois. Ah, ça veut dire qu'il n'est pas bien placé, alors. Oui, sommaire. Non, c'est moi qui n'ai pas bien ouvert le livre, je crois. Et alors, ce qui est intéressant aussi, bon, vous parlez de ces livres bizarres, des arbres bizarres, on va y revenir, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au tout début, vous faites un petit rappel de ce qu'est un arbre
normal, on va dire. C'est ça. Donc, c'est pour ceux qui n'auraient pas lu le précédent. C'est un résumé, en fait, en 20 pages. Donc, c'est très restreint, bien sûr, mais pour redonner quelques éléments de base sur un arbre et comment un arbre se développe, des notions dont j'avais besoin plus après dans la description des bizarbres. Alors, les chapitres, c'est, je vous en cite quelques-uns, bizarbres par nature, ou bizarbres à fleur de peau, ou bizarbres plus petits que soi, etc., etc. Puis alors, après, il y a la présentation de ces arbres étonnants. Et là, vous leur donnez des noms, le zigzagueur, le tire-bouchon, le sans-cœur, la grosse tête, il y a même le footballeur. Oui, oui. Je me suis un peu amusée. Oui, voilà. Le rayé, le schtroumpf. Ah, j'aime beaucoup le schtroumpf. Oui. Les arbres plus petits que soi, c'est ça, plus petit. Les arbres, bizarbres par plus petits que soi. Donc ça, là, c'est le chapitre où on va parler des champignons, des parasites, enfin, de tout ce qui modifie l'aspect d'un arbre. Oui. Donc il y a le schtroumpf parmi ceux-là. Il y a le schtroumpf. Le schtroumpf, voilà. Non, franchement, allez les feuilleter, les livres, tout à l'heure, quand on va terminer cette conférence, c'est absolument passionnant. Eh bien, là, ce soir, nous avons choisi de vous demander de nous parler de la communication chez les arbres. Et il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses fausses. Alors, je dirais pas fausse, mais des choses qui ne sont pas prouvées. Donc, moi, en fait, ce que je vais. Donc, ça, c'est la précaution avant de commencer. Je vais vous montrer ce que l'on sait scientifiquement sur la communication entre les arbres. Donc, ce qui a été prouvé, publié et approuvé par les pairs. Ça, c'est la science. C'est pas la vérité. C'est la science, ce qu'elle sait à l'instant T. Donc, le 16 avril 2024. Et sûrement d'ailleurs que peut-être de la biblio m'a échappé, ça c'est tout à fait possible. Et si je revenais dans 10 ans pour refaire la même conférence, sûrement je ne ferais pas la même. Parce qu'on aura appris d'autres choses, on aura fermé des portes qu'on pensait avoir ouvertes, etc. Quand les forêts murmurent, eh bien nous allons les écouter avec vous. Merci. Merci. Quand les forêts murmurent. Vous avez vu, j'ai mis un sous-titre, la communication entre les arbres, mythe ou réalité. Donc la question est ouverte. Alors, pour vous parler de cela, d'abord, il faut que je définisse de quoi je vais parler. Donc, qu'est-ce que la communication? Si je regarde simplement du côté du dictionnaire, j'ouvre mon petit Robert et je lis que ce mot a une étymologie latine, qui est formé de deux mots, cum et munus. Cum avec, munus est un dérivé de. Municus, pardon, est un dérivé de munus, la fonction, la charge. Et au XIVe siècle, ce mot prend le sens d'être en rapport mutuel avec quelqu'un. Et si je tape simplement dans ma barre de recherche, alors j'ai mis Google, vous m'excuserez, mais c'est la barre de recherche que vous voulez sur Internet. Je tape communication pour voir quelle est la définition que je trouve. Je trouve établir une relation avec quelqu'un. Et donc, je retrouve cette nécessité d'être deux pour communiquer, au moins deux. Deux ou 260 ce soir, puisque nous allons communiquer, vous et moi également. Et qu'il y a ce côté mutuel, c'est-à-dire une relation à double sens. Donc là, pour l'instant, c'est moi qui vais communiquer vers vous, mais vous allez aussi me renvoyer peut-être des questions, peut-être aussi des sourires, des froncements de sourcils. Donc il y aura aussi un aller-retour, en fait. Je lis aussi sur ma barre de recherche que communiquer, c'est l'action de donner quelque chose, d'informer, de donner une information à quelqu'un, et donc de produire cette information et d'émettre des signaux que vous recevez et que vous décoder, que vous comprenez. Et justement, la définition qui me plaît le plus, c'est celle des télécommunications. La communication, c'est quoi? Eh bien, il faut un émetteur et un récepteur, donc deux entités, on est d'accord. L'émetteur va émettre un message, un signal, qui est un message en fait encodé. Alors vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Donc il y a, lors de l'émission de ce signal, il y a un encodage. Le récepteur va percevoir ce signal et le décoder, et donc le comprendre. Et ce récepteur qui a reçu le message va répondre. Sa réponse peut être de deux natures. Soit c'est un changement d'état,
Alors pour une plante, ça va être par exemple une modification de sa croissance. Pour vous, ça peut être une émotion. Ou bien ça peut être aussi l'émission à votre tour d'un deuxième signal encodé lui aussi qui va revenir à l'émetteur qui à son tour va le percevoir et le décoder, etc. La perception et la réponse au niveau du récepteur constitue ce qu'on appelle la sensibilité. La sensibilité, c'est la capacité à percevoir une information, à la décoder et à y répondre de manière adaptée. Donc vous voyez que dans la communication, j'ai besoin de cette sensibilité et j'ai la même chose du côté émetteur, hein, puisque lui aussi perçoit des messages, donc je vais retrouver cette perception et cette réponse. Donc je vais avoir communication entre deux êtres si et seulement si ces êtres sont capables de percevoir, de sentir, si vous voulez, des signaux et d'y répondre, donc des êtres sensibles. Deuxièmement, il y aura communication s'il y a un échange de signal. Il faut vraiment qu'il y ait ces deux entités, un aller-retour. Et troisièmement, il faut que le langage utilisé soit commun et donc qu'il soit donc encodé et décodé et compris, si vous voulez, par ces deux entités. Donc, si on est d'accord sur cette définition-là, si les arbres communiquent entre eux, il faut qu'ils remplissent ces trois caractéristiques-là. OK ? Donc, est-ce qu'il y a de la communication entre les arbres ? Alors, vous allez voir que souvent, il y a un petit bonhomme ici avec des engrenages dans la tête. C'est vous, c'est moi, quand on s'interroge et quand on fait preuve d'esprit critique. Donc, à chaque fois qu'apparaîtra le petit bonhomme, c'est « attention, il faut que je réfléchisse, il faut que je me pose la question, est-ce que ce que je lis, ce que j'entends est acceptable ou pas ?» Donc, il y aura de la communication entre les arbres. Premièrement, c'est vraiment la première condition sine qua non, si les arbres sont des êtres sensibles. Donc, il faut qu'il y ait de la sensibilité chez les arbres. Et deuxièmement, est-ce qu'il va y avoir des échanges de substances, de signaux entre ces êtres sensibles, s'ils le sont ? Bien. Les arbres sont-ils des êtres sensibles ? Là aussi, qu'est-ce que c'est la sensibilité ? Je regarde un petit peu la définition toute simple du dictionnaire. C'est l'aptitude d'un organisme à réagir à des excitations externes, donc des facteurs de l'environnement, ou internes. C'est aussi, dans les livres de biologie, la définition, c'est la capacité de la sensibilité, la capacité des êtres vivants à percevoir des stimuli à travers les sens. Ça, c'est une définition qui est collée à celle de l'animal ou de l'homme. Donc, des êtres doués de sens et même qui possèdent des organes des sens, c'est-à-dire des organes où sont concentrés les récepteurs capables de percevoir les stimuli. Vous les connaissez. Par exemple, je vais vous parler juste de la vue ou de l'ouïe. C'est l'exemple de ce schéma. Vous voyez une oreille et un œil. Et donc, vous avez ici des cellules sensorielles qui sont concentrées au niveau du tympan ou au niveau de la rétine de votre œil. Donc, qu'est-ce que le sens, hein, c'est finalement l'organe, d'abord, de perception qui concentre les récepteurs du signal. Le signal, c'est la lumière pour la vue ou c'est le son, c'est-à-dire une vibration de l'air pour l'ouïe. Et puis ensuite, vous avez ces cellules qui traduisent ces stimuli et qui les transfèrent à tout un réseau de circulation d'informations, votre système nerveux, qui va amener ces informations jusqu'à votre cerveau sous forme de potentiel électrique. Et au niveau du cerveau, donc le centre qui traite l'information et qui va permettre de faire le tri et de renvoyer vers les organes effectifs la réponse. Et ici, ça sera une sensation, ça sera une image, ça sera un son. Voilà, ça, c'est les sens. Donc, quand je vois ça, je vois les miens en tant qu'être humain. Je vois éventuellement ceux de mon chat ou de mon chien, donc l'animal, mais je ne vois pas les plantes. D'accord ? Donc, est-ce que ces organes et ces circuits qui permettent la sensibilité chez les animaux, est-ce que ça existe chez les arbres ? En gros, les arbres ont-ils des sens ? Donc, si je regarde ici chez les plantes sont-elles sensibles ? Je vais avoir ici deux exemples, la sensitive et la dionée. Je suis sûre que vous connaissez ces plantes. Si vous avez déjà été mettre les pieds dans une jardinerie,
Il y en a maintenant partout. Et il y a toujours un enfant ou deux, ou un adulte d'ailleurs, qui s'amuse à poser le doigt sur la feuille ici de Mimosa pudica. Ça ne va pas quand j'ai le pointeur. Je ne sais pas l'enlever. Tout va bien. Excusez-moi, je vais sortir. Voilà, on y est toujours. Donc ici, le doigt a effleuré le bout de la feuille. C'est une feuille composée de folioles. Et vous voyez les petites folioles qui se replient sous la caresse du doigt. Et ça, ce n'est pas accéléré, donc c'est en temps immédiat. Donc vous voyez bien que là, la sensitive est sensible, elle perçoit le toucher et elle répond en repliant ses folioles. Et ici, la dionée, vous avez vu la petite mouche qui se promenait sur la feuille ouverte. C'est une feuille modifiée en piège, comme un piège à loup. Et en fait, une fois qu'elle a touché quelques poils sensibles sur cette feuille se replie immédiatement. Là aussi, le film n'est pas accéléré. Donc vous voyez bien que dans ces deux cas-là, on a des exemples très frappants de plantes qui sont sensibles, qui perçoivent en fait le toucher de la feuille pour la sensitive ou le toucher des poils sensibles pour la dionée et qui montre une réponse, un mouvement rapide. Ce mouvement rapide est lié en fait à des variations de turgescence, donc de gonflement de cellules en eau, d'accord, des variations rapides de pression et que tout ça c'est donc de la sensibilité. Donc là j'ai bien deux exemples de plantes sensibles. J'en ai un troisième à vous montrer, par exemple ce houblon que vous voyez ici. Alors là, par contre, le film est accéléré, puisque c'est un film de croissance. La croissance, c'est lent. Et vous voyez que la tige du houblon, le long de son support, s'enroule, toujours dans le même sens d'ailleurs, en épousant la forme du support. Donc elle s'enroule pour faire cette petite vrille. Et vous avez la même vrille à gauche sur la photo du chèvrefeuille qui monte sur une branche de prunelier. Donc ça, c'est aussi sensible. Alors d'abord, comment ça tourne? Eh bien, simplement la face qui regarde le support, qui touche le support, la face de la tige qui touche le support, aura une croissance réduite en vitesse par rapport à la face qui est à l'extérieur, qui regarde l'air. Donc la croissance à l'extérieur est plus importante. J'ai mis une grosse flèche rouge pour montrer que la croissance est plus rapide à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc ça tourne. Ça tourne parce que ça s'allonge plus vite à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça va? Donc là, j'ai aussi une perception. C'est le toucher du support qui va provoquer une réponse qui est un mouvement lié à une croissance différentielle, c'est-à-dire une croissance différente sur les deux faces de la tige, celle qui touche le support ou celle qui ne touche pas le support. Okay. Donc, encore une fois, j'ai une sensibilité. Donc là, j'ai trois exemples vraiment frappants où les plantes, je peux dire qu'elles sont sensibles. Mais encore plus fort, en fait, toutes les plantes sont sensibles au toucher. Quand vous touchez une plante plusieurs fois par jour, ici, vous avez une petite culture d'arabette des dames. Sur la gauche de la photo, les hampes florales, les tiges qui portent les fleurs, ont été laissées tranquilles, donc elles sont bien élevées, de plusieurs dizaines de centimètres. Et à droite, sur la culture de droite, on est venu brosser cette culture deux fois par jour, avec une tige pour brosser la culture deux fois par jour. Elles ont le même âge, les deux cultures, et donc vous voyez qu'il y a une réduction de la croissance en hauteur qui est très forte. Un autre exemple, cette fois en plein champ, qui a des manips qui ont été conduites par un collègue du laboratoire, Bruno Moulia. Vous voyez un champ de luzerne dans lequel on a placé un grillage, enfin un cadre, et ce cadre maintient en place un grillage avec des mailles, et les plantes poussent à travers les mailles. Et finalement, les mailles du grillage font comme un tuteur qui empêche les tiges des luzernes d'osciller dans le vent. Et donc elles poussent en absence de vent, finalement, bien que le champ soit en plein air. Donc autour du grillage, les luzernes voient le vent tous les jours. Au niveau du grillage, elles n'ont pas cette course au vent et elles vont donc pousser beaucoup plus haut. Donc, en d'autres termes, lorsqu'il y a du vent qui fléchit les tiges autour, le reste du champ, la croissance en hauteur est réduite. Et troisième exemple, enfin des arbres. Ici, vous avez deux noyers qu'on a fait pousser dans le verger à côté du labo. Les deux arbres ont le même âge, mais celui de droite a été installé dans un tubex. Le tubex est une sorte de tube de plastique creux dans lequel le tronc passe. Et ce tube de plastique creux sert de tuteur. Il empêche l'arbre d'osciller dans le vent. Et donc, ce qu'on constate, alors que celui de gauche, lui, oscille librement dans le vent,
voyez que la croissance en hauteur de cet arbre est très réduite au bout de quelques mois de croissance. Et c'est pas tout. On observe aussi que l'ancrage racinaire de cet arbre au vent est plus important que l'arbre tuteré. Et enfin, quand on coupe les troncs, on regarde la forme des troncs et la quantité de bois, eh bien on voit que pour l'arbre qui pousse dans le vent, c'est la coupe de gauche, par rapport à l'arbre tuteré qui est donc la coupe de droite, on voit que la masse de bois est plus importante dans l'arbre tuteré, dans l'arbre poussant au vent, excusez-moi. Et en plus, là, la forme est un peu déformée, on a une forme un peu ovalisée, parce que là, l'arbre a poussé dans un couloir de vent, donc il était en fait fléchi dans la même direction. Ce que je viens de vous décrire, la réduction de la croissance en hauteur, l'augmentation de l'ancrage racinaire et l'augmentation de la croissance en épaisseur, donc la croissance du tronc, ça s'appelle, et voilà un gros mot à retenir, la tigmomorphogenèse. Tigmomorphogenèse, tigmo en grec, ça veut dire le contact. Morpho, c'est la forme, la genèse, l'apparition. Donc c'est l'acquisition de la forme en réponse au contact, en réponse à un signal mécanique. Là, c'est le contact du vent, si vous voulez. Mais ce mot a été inventé pour décrire ce syndrome de réponse au vent. Et tous les arbres, toutes les plantes développent ce syndrome de tigmomorphogenèse lorsqu'on les touche. Et donc, ils sont sensibles, les arbres comme les plantes sont sensibles, ils ont une perception du vent, en fait, ils perçoivent la flexion du vent, ou bien la perception du toucher, on peut aussi diminuer la croissance en hauteur d'une plante en la touchant tous les jours, en la secouant même, en faisant vibrer la plante tous les jours, et la réponse est une réponse de croissance, telle que je vous l'ai décrite, qu'on appelle la tigmomorphogenèse. Comment l'arbre perçoit ce vent ? Comment l'arbre perçoit ses vents ? Eh bien, nous avons montré qu'il perçoit, en fait, ça se passe à l'échelle des cellules vivantes de cet arbre, au niveau de la périphérie du tronc, dans l'écorce, et l'arbre perçoit la déformation mécanique de chacune de ces cellules. Vous voyez à gauche un petit tronc qui est debout, puis le vent souffle et ce tronc est incliné, il est fléchi, et on voit que dans la flexion, certaines cellules sont compressées, dans l'intérieur de la courbure, et d'autres cellules à l'extérieur sont au contraire étirées. Et c'est cette déformation d'étirement ou de compression qui est perçue par l'arbre. Comment ? Eh bien, grâce à un mécanisme tout à fait comparable au nôtre, analogue au nôtre, qui est hérité même du monde des bactéries. Nous avons tous un ancêtre commun très lointain qui était un être bactérien. Et les gènes qui codent pour ce que je vais vous raconter, là, ces canaux mécanosensibles, ont été conservés depuis des milliards d'années. C'est vous dire l'importance qu'ils ont dans le vivant, cette importance que nous avons à percevoir les déformations de nos cellules. Alors, dans une bactérie, on comprend, une bactérie dans un milieu aqueux, pour ne pas éclater, elle doit ressentir lorsque trop d'eau rentre à l'intérieur, sinon elle gonfle et elle éclate, etc. Nous, c'est notre toucher. On perçoit, en fait, par la déformation de nos cellules, quand on appuie sur la peau, nous percevons la présence de quelqu'un, nous percevons aussi notre propre frontière, qui est l'intégrité de notre corps, en fait. Donc c'est quelque chose d'important, et les plantes possèdent ces mêmes canaux. Alors qu'est-ce que c'est que ces canaux ? En gros, voilà, vous avez deux petites cellules végétales ici, je crois qu'on ne voit plus mon pointeur, il faut que je le remette. Ici, vous avez deux petites cellules végétales, et les murs qui limitent ces cellules sont des murs de cellulose, bien sûr. Ça, c'est la paroi végétale qui habille chaque cellule de plante. Mais juste sous cette paroi, il y a une membrane vivante dans laquelle se trouvent des canaux mécanosensibles. Ce sont des sortes de portes qui vont en fait s'ouvrir sous la tension de la membrane. Lorsque la membrane est étirée, les canaux vont s'ouvrir un peu comme des diaphragmes d'appareils photo. Et en s'ouvrant, il va pouvoir y avoir des échanges entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur, des échanges de substances chargées électriquement, et ce faisant, ça crée des courants électriques dans la membrane. Donc les courants électriques aussi, c'est quelque chose qui est propre au vivant, ça existe chez les plantes, ça existe partout. Donc voilà que les plantes, que les arbres ont un sens mécanique qui ressemble au nôtre, à notre sens du toucher, et d'ailleurs, comme le nôtre, c'est un sens diffus.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'organe des sens, là, il n'y a pas d'organe du sens touché. Ce sont toutes les cellules vivantes de l'arbre, lorsqu'elles sont déformées, qui peuvent percevoir les déformations. Et comme nous, ce sont toutes les cellules de notre peau. Alors, ce que je viens de vous raconter, c'était un tout petit aperçu des travaux que nous menons dans l'équipe MECA du PIAF. Et c'est juste pour vous montrer que quand vous recevez un chercheur qui vous parle de ses travaux, il est en fait le porte-parole de tous ses collègues. Parce que bien sûr, il n'y a pas de recherche qui se fait tout seul dans son coin par une seule personne. Vous avez derrière, voilà ici, toute l'équipe MECA, dans laquelle vous allez trouver des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des étudiants de différents niveaux, des étudiants post-doctorants, des doctorants, etc. Donc c'est aussi pour rendre hommage à tous ces gens-là que j'ai mis cette photo. Donc on a montré que les arbres sont doués de sensibilité, donc on est pas mal pour notre question sur la communication, de sensibilité aux signaux mécaniques. Juste au passage, est-ce qu'il y a d'autres sens dans les arbres? Est-ce qu'on peut identifier d'autres sens? Si je vous interrogeais, on n'a pas le temps, vous êtes nombreux, sur les différents sens, vous me répondriez qu'il y a l'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Est-ce que j'ai juste? Ah, il y en a qui font non, ils ont raison, parce qu'il y en a d'autres. Et cette classification que je viens de citer, qui est ancienne, on ne classe plus les sens de cette façon en science. Et en fait, on les classe selon la nature des stimuli. Et en gros, vous avez trois grands types de sens. Selon la nature des stimuli. D'abord, il n'y a pas d'ordre, je cite les signaux électromagnétiques. Et dans les signaux électromagnétiques, il y a bien sûr la lumière, qui est un signal très important. Cette lumière est une onde électromagnétique. Et le sens qui est le nôtre, qui y correspond, c'est la vue. D'accord ? Mais vous voyez, ça me permet aussi de citer les champs magnétiques, les champs électriques, qui sont perçus par certaines catégories d'animaux, par exemple. Donc j'ai mis les oiseaux, les abeilles, les cétacés. Si on ne cite que nos cinq sens habituels, on oublie tous ces sens-là qui sont portés, qui sont présents chez beaucoup d'espèces animales. Deuxième grande catégorie de signal, c'est ceux dont je viens de parler, les signaux mécaniques, qui donc, sont perçus au cours d'un mécanisme qu'on appelle la mécanoperception. Le toucher, la flexion, les déformations cellulaires, etc. Et j'ai remis là aussi une liste de sens qui touche l'être humain, l'ouïe, le toucher, puis tous les autres, pas tous, la proprioception, c'est chez nous aussi, c'est ce sens qui nous permet de ressentir la forme et la position de notre corps dans l'espace. Voilà, donc tout cela était oublié dans la liste des cinq. Et les derniers, ce sont les signaux chimiques, et donc là, ce qu'on appelle la chémo ou la chimioperception. Les signaux chimiques, qu'ils soient dissous, ces molécules dissoutes ou volatiles, quand c'est dissous, c'est le goût, quand c'est volatile, c'est l'odorat, mais sinon, c'est lié, et on est donc sur de la chimie. Donc, vous voyez, vous avez trois grandes catégories de signaux. Alors, je vous ai parlé des signaux mécaniques pour les arbres, je vais vous parler un petit peu des signaux électromagnétiques, et je vais vous parler aussi un petit peu après des signaux chimiques. Alors, est-ce que je peux parler d'une vision végétale? Est-ce que les plantes se voient? Est-ce qu'elles vous voient passer lorsque vous vous promenez en forêt? Alors, la vision, c'est quoi? C'est une histoire de lumière, vous savez. Cette lumière, ici, je vous présente la lumière visible, celle que nous percevons. Cette lumière visible, elle est en fait composée, la lumière du soleil, d'un grand nombre de couleurs, de radiations colorées, qui ont des longueurs d'onde différentes. Pour juste avoir une idée de ce que c'est vous pensez à l'arc-en-ciel. Et dans l'arc-en-ciel, en fait, vous voyez se décomposer cette lumière du soleil et vous reconnaissez les différentes couleurs qui composent l'arc-en-ciel. Le visible, ça va du violet, dans les longueurs d'onde les plus courtes, au rouge, dans les longueurs d'onde les plus élevées. Et la vision, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement une histoire de lumière, c'est-à-dire la source de lumière étant le soleil, va toucher un objet, ici cette petite fleur. Certaines radiations lumineuses vont être réfléchies, d'autres vont être absorbées par les pétales, par le cœur de la fleur, par sa feuille, et certains rayons vont traverser. Et donc j'ai un certain nombre de rayons lumineux, colorés différemment, qui arrivent jusqu'à mon œil. Et c'est pour ça que je vois la fleur, parce que j'ai des rayons qui ont touché les pétales, qui se sont réfléchis dessus, et qui m'arrivent jusqu'à mon œil. Donc voilà ma vision à moi. Alors, pour les feuilles, pour les arbres, c'est un petit peu la même histoire. C'est-à-dire que ici, je vous montre un spectre
d'absorbance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça se lit comme ça. Sur la gauche, plus je monte, plus la radiation colorée est absorbée par la feuille. Et à droite, ben, ce sont les différentes radiations colorées de l'arc-en-ciel. Donc je vois, en fait, en lisant la courbe bleue, j'ai un pic dans le bleu ici, un pic dans le rouge ici. Donc je vois que mes feuilles ont deux radiations préférées qu'elles absorbent, c'est le bleu et le rouge. Ces deux grands types de radiations sont celles qui sont utiles pour la photosynthèse. Donc les pigments qui absorbent ces radiations colorées, rouge et bleu, ce sont les chlorophylles. D'accord ? Et au milieu, vous voyez que ben, y a pas beaucoup d'absorption. Le vert jaune n'est pas très absorbé. Puis l'autre courbe, la verte, en fait, décrit la sensibilité de mon œil d'être humain. Et je vois que mon œil d'être humain est très sensible au vert et au jaune, au vert surtout. C'est donc ce vert ici qui n'est pas absorbé par les feuilles, mais qui est fortement réfléchi. C'est lui qui arrive jusqu'à mon œil. Et qu'en plus, mon œil est très sensible au vert, eh bien, c'est pour ça que je vois le monde végétal en vert. OK ? Je vois le monde végétal en vert parce que les plantes n'absorbent pas le vert et que moi, je suis sensible au vert. Mais dans la vie, il n'y a pas que la lumière visible. Là, je vous ai décrit une toute petite portion du spectre lumineux du soleil. Je retrouve ici mon arc-en-ciel, ici. Mais vous voyez qu'à gauche des 400 nanomètres, eh bien, j'ai en dessous du violet, j'ai plein de radiations que je ne perçois pas. Que moi, être humain, je ne perçois pas. Les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, etc. Et puis à droite, au-delà du rouge, il y a aussi des radiations que je ne perçois pas. L'infrarouge, les ondes radio, etc. Les plantes, par contre, elles font mieux que nous. Elles sont plus fortes de ce côté-là. Parce que, revoilà ici un petit spectre. Alors attention, c'est pour voir si vous suivez. Le spectre d'avant, c'était, je mesurais l'absorbance, c'est-à-dire la capacité à absorber une radiation. Et ici, je mesure, au contraire, la capacité à la réfléchir. Donc c'est l'inverse. Vous me suivez ? Donc vous voyez que dans le bleu et dans le rouge, sur cette courbe noire, je vois que j'ai un creux cette fois, parce que je sais que les plantes absorbent le bleu et absorbent le rouge. Donc elles ne le réfléchissent pas. Donc ça fait un creux. Par contre, au milieu, le vert, elles réfléchissent le vert, je vous l'ai expliqué juste avant. Je vois donc un petit pic. Alors c'est une réflexion assez moyenne, parce que par contre, ce que mon œil à moi ne perçoit pas, c'est que les feuilles réfléchissent énormément les infrarouges proches, c'est-à-dire pas très loin du rouge, mais moi je ne le vois pas. Ces infrarouges, je ne suis pas sensible à cette radiation-là. Par contre, vous voyez que la réflexion par les feuilles est très forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les arbres, les plantes en général, modifient leur environnement lumineux proche, et finalement, leur présence enrichit autour d'elles la qualité de la lumière en infrarouge proche. Donc, quand une plante est dans son milieu, elle est baignée d'un environnement enrichi en infrarouge proche. Alors, vous allez me dire, tout ça, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert au fait que, non seulement elle réfléchit et elle indique sa présence par cet environnement lumineux modifié, mais qu'en plus, il y a également dans les feuilles des pigments capables de percevoir cet infrarouge proche et donc de ressentir la présence d'une voisine. Ces pigments, on les appelle des phytochromes. Ce sont comme des yeux, finalement, des pigments qui perçoivent une radiation lumineuse. C'est exactement ce que font les vôtres dans vos cellules rétiniennes. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, finalement, les plantes se voient entre elles et elles se voient en infrarouge. Elles se voient en rouge foncé, si vous voulez. Ce qui permet, en fait, de surveiller sa voisine quand on grandit, parce que la perception de la présence d'une voisine va déclencher une réponse de croissance qu'on appelle la réponse d'évitement de l'ombre. Ça veut dire quoi, l'évitement de l'ombre ? C'est pousser le plus vite possible vers le ciel pour gagner la première, la lumière. Donc ce phénomène-là explique que dans un champ de blé, tous les épis sont à peu près à la même hauteur. D'ailleurs, on a fait des expériences où on a abîmé les gènes qui codent pour les phytochromes, pour les yeux. On a rendu aveugles les champs de blé. Et le résultat, c'est que les épis poussent à n'importe quelle hauteur. D'accord ? Donc ça, c'est pour le côté plante herbacée. Puis à droite, vous avez les futaies. Dans une forêt, les plantes, les arbres poussent de manière serrée, dense,
indiquant leur présence à leurs voisins par cet environnement lumineux modifié en infrarouge proche. Et donc la réponse de croissance, c'est pousser le plus vite possible vers le haut. Donc ça va avoir pour conséquence des formes très élancées des arbres, des troncs très allongés et des houppiers qui sont portés très haut vers le ciel. Donc là aussi, j'ai encore une fois un processus de sensibilité, une perception d'un facteur, ici c'est une radiation lumineuse, et une réponse de croissance. Donc j'aurais beau vous montrer tous les exemples du monde, à chaque fois j'aurai la même conclusion. Les plantes, les arbres ont une sensibilité ultra développée pour tous les types de signaux, je vais vous parler des chimiques juste après, mais quand même, on a dans le monde végétal jusqu'à présent répertorié plus de 700 capteurs sensoriels différents. Et on parle bien de capteurs sensoriels. On a droit d'utiliser ce mot parce que cette sensibilité, elle est la même que celle d'un animal ou d'un homme. Sensibilité à tout, aux signaux externes, aux signaux internes. Je vous ai mis quelques listes ici. Dans les signaux externes, vous avez à la fois les facteurs physiques non vivants et les facteurs vivants, c'est-à-dire la présence de pathogènes ou la présence de bactéries amies. Et puis, tous les signaux internes aussi, c'est-à-dire les hormones qui circulent dans la plante, les déformations des cellules, des signaux de défense, etc. Donc, cette sensibilité, elle est ultra présente dans le monde des arbres. Tous les sens qu'on peut décrire sont toujours des sens diffus. Il n'y a pas d'organe des sens, ça n'est pas concentré à un endroit. Ce sont toutes les cellules vivantes de l'arbre qui sont capables d'avoir une sensibilité. Donc, premier bilan, on est à la moitié, hein. J'ai démontré que l'arbre est un être sensible qui perçoit et répond de manière adaptée aux signaux extérieurs, qui possède de nombreux sens diffus, et donc j'ai coché ma première case. Donc pour l'instant, je suis plutôt sereine sur cette question, est-ce que les arbres communiquent ou pas? Déjà, ils sont sensibles, il fallait le prouver. Alors maintenant, est-ce qu'ils échangent des informations ou en tout cas des substances? Alors, ça ne peut pas passer par 10 000 endroits, hein. Soit ça passe par le haut, donc par l'air, soit ça passe par le sol. Donc on va s'interroger un petit peu des deux côtés, par l'air ou par le sol. Alors par l'air, bah déjà, je viens de vous parler des signaux lumineux. C'est une forme de communication, c'est-à-dire un signal émis qui est perçu et l'autre plante qui renvoie également des signaux comparables. Donc je pourrais le classer dans de la communication. Ça se discute, donc je vais passer directement au deuxième. Toujours dans l'air, qu'est-ce qui me reste? Si ce n'est pas la lumière, les plantes ne se touchant pas, on part de ce principe-là, je pense aux signaux chimiques. Alors, la chimie. Alors, effectivement, les plantes, et l'arbre en particulier, sont de véritables usines chimiques. C'est ces vaisseaux, hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Je vais vous montrer. Alors, toutes ces substances qui sont fabriquées par les arbres ou par les plantes appartiennent à un métabolisme particulier qu'on appelle le métabolisme secondaire. Secondaire, ça veut dire qu'il y en a un primaire. Donc, le métabolisme primaire, c'est le métabolisme essentiel, si vous voulez. C'est le premier qu'on a compris, qu'on a décrit, hein, dans les années 40-50. Le métabolisme primaire, c'est celui qui permet la respiration, qui permet la croissance, qui permet la photosynthèse, qui permet la fabrication de lipides, enfin voilà, tout ce métabolisme de base indispensable et vital. Et puis, quand on travaillait sur ce métabolisme primaire, on trouvait plein de substances, de molécules dans ce métabolisme primaire, à partir desquelles on décrivait, la biochimie s'est mise à décrire des tas de voies de synthèse, aboutissant à des produits dont on ne comprenait pas bien la fonction. Et on pensait même que c'était des déchets. Donc on a appelé ces voies de synthèse partant de ces molécules carrefour le métabolisme secondaire, pensant qu'il n'était pas très important. Et bien dans ce métabolisme secondaire, alors juste pour info et ceux qui aiment la chimie, voilà, on a trois grandes catégories, les terpènes, les composés phénoliques, les composés azotés. Dans les composés sympathiques, vous allez trouver la nicotine, la codéine, tout ce qui ouvre les paradis artificiels, par exemple. Et puis, vous avez dans ces substances-là, beaucoup de substances qui sont volatiles, qui vont être émises par les feuilles, pas seulement d'ailleurs, par les fleurs. Les parfums font partie de ces substances-là. Hein. Et vous avez ici toute une liste de noms par lesquels on les a baptisés. Donc, en anglais, les volatile organic compounds. En français, les composés organiques volatiles.
c'est ceux-là dont je vais parler, les COV, composés organiques volatiles. Quand ce sont que les feuilles, on les appelle les green leaf volatiles, les GLV, etc. Juste attirer votre attention sur ce mot de phytoncide qu'on retrouve souvent dans les médias comme une invention, comme une découverte récente. Les phytoncides, c'est un vieux mot, hein, c'est un mot qui a été inventé en 1928 pour décrire justement ces odeurs de résine, ces odeurs de forêt, etc. Donc c'est déjà un mot ancien. Donc vous voyez tous ces mots qu'on peut utiliser pour décrire ces composés. Alors, ces composés organiques volatiles, soit ils sont induits, ça veut dire que la plante, l'arbre, ne va les fabriquer qu'en réponse à des stress, lorsqu'elle est attaquée, lorsqu'elle doit répondre d'une manière ou une autre à une information, ou bien ça peut même être fabriqué de manière constitutive, c'est-à-dire qu'elle en fabrique tous les jours, à un niveau de base, etc. Dans ces substances, elles sont produites dans l'air, mais également dans le sol, et dans ce sol, si certaines sont volatiles, elles seront produites dans l'air contenu dans le sol, et ça gagnera l'air extérieur, par les fleurs, par les feuilles, par les racines, et puis pas seulement, hein, aussi par toute la flore du sol, c'est-à-dire les bactéries, les champignons, etc. Et tout ce petit monde émet dans l'air des myriades de composés chimiques dans le sol et dans l'air. On estime, il y a eu une étude en 2017 qui a estimé qu'à peu près 20% du carbone fixé par jour par l'arbre, par sa photosynthèse, ce 20% est libéré quelques jours plus tard sous forme de composés organiques volatiles. Donc ce carbone ne sert pas à faire du bois ou à faire des sucres de réserve pour l'arbre, mais simplement à faire des odeurs, à faire des substances volatiles. Donc c'est énorme. C'est tellement énorme que même parfois, il y a des études qui ont montré que ces composés organiques volatiles peuvent devenir un problème de santé publique dans les villes. Les villes qui ont beaucoup de forêts, comme par exemple à Berlin, où on a pu mesurer par des périodes de canicule la présence de composés organiques volatiles dans l'air qui causaient des problèmes sanitaires aux êtres humains. Donc là aussi, c'est simplement pour ouvrir une porte en disant les arbres, évidemment qu'il en faut dans les villes, mais il faut réfléchir, est-ce qu'il en faut beaucoup ou pas? Ça, c'est une question que je vais laisser en suspens. Alors, j'ai montré que ces arbres produisaient des substances par myriades, on est d'accord, mais pour communiquer, il faut aussi que ces arbres soient capables de les recevoir, encore une fois, et de les sentir. Donc, est-ce qu'un arbre est capable de sentir? Est-ce qu'il a un nez? Et nous, comment on fait? Donc, nous, bien sûr, l'odorat, nous avons un nez. Dans ce nez, nous avons ici un endroit qu'on appelle le bulbe olfactif, qui est en fait une zone concentrée en neurones olfactif, au bout de chacun de ces neurones, vous voyez, il y a des petites serrures, des récepteurs, qui vont reconnaître des petites molécules volatiles, c'est-à-dire des odeurs. Et chaque petite molécule odorante, chaque petite clé, a sa serrure, et lorsqu'elle est reconnue par sa serrure, va déclencher un signal électrique dans la petite cellule sensible. OK ? Donc, ce que je vous décris là de manière très simple, c'est que l'odorat, ça marche avec un système clé-serrure. Il faut un mécanisme, une clé, une serrure. D'accord ? Une interaction entre une substance et son récepteur. Alors, chez les arbres, est-ce que j'ai la même chose ? Eh bien oui, je vais vous montrer, et là aussi c'est amusant parce que finalement on le sait depuis très longtemps. Je vous montre l'exemple d'une substance qu'on appelle l'éthylène. L'éthylène, c'est une substance chimique que la filière de la chimie est capable de fabriquer, mais que les plantes fabriquent, mais alors en quantité. C'est une de leurs hormones qui va réguler certains processus de leur vie. Cette hormone est une hormone gazeuse volatile, donc elle peut être émise dans l'atmosphère. Et on la connaît depuis longtemps parce qu'en fait, on la connaît à cause des becs de gaz au début du XXe siècle, où on se rendait compte, alors vous voyez ici, j'ai mis une petite image pour vous montrer l'allumeur de bec de gaz qui a apporté sa quote-part à la recherche scientifique, parce que lui, tous les jours, il venait allumer le bec de gaz en fin de journée et l'éteindre au petit matin, et les arbres qui poussaient autour de ces becs de gaz présentaient des perturbations dans leur développement et en particulier dans leur chute des feuilles. Pourquoi ? Parce que l'éthylène émis par ce bec de gaz en quantité agissait sur les feuilles et les faisait tomber prématurément. Donc on le connaît depuis longtemps. Alors, juste pour vous montrer le mécanisme clé-serrure, vous avez ici une petite expérience très simple que vous pouvez faire dans votre cuisine.
Vous mettez dans un espace clos, alors là c'est un sac plastique, mais ça peut être un bocal, hein. Vous mettez une pomme bien mûre et une petite culture de graines, là c'est des pousses de soja, mais vous mettez ce que vous voulez à côté, vous fermez le tout, puis vous attendez. La pomme très mûre, ça c'est sa vie de pomme très mûre, elle émet énormément d'éthylène dans l'air. Tous les fruits, enfin pas tous, les fruits dits climactériques, comme les pommes, les bananes, lorsqu'ils mûrissent, produisent beaucoup d'éthylène à l'extérieur. Donc vous mettez cette pomme ou une banane très mûre, vous le savez, si vous laissez une banane très mûre dans votre panière de fruits, elle va provoquer le mûrissement de tous les autres fruits. C'est l'éthylène qu'elle émet, en fait, qui va déclencher le mûrissement des autres fruits. Donc cette éthylène, en fait, va être perçue par votre petite culture, là, et va déclencher une réponse qui est particulière, qu'on appelle la réponse de croissance à l'éthylène, avec, en général, des torsions des tiges, ça fait des espèces de crosses. Donc il y a quand même quelque chose à observer. Donc là, j'ai une réponse de croissance. Et si je regarde de plus près, au niveau des membranes des cellules de mes pousses de soja, eh bien, je vais voir que cette éthylène a un récepteur qu'on appelle ETR1, qui a un fonctionnement très complexe, hein, avec d'autres protéines, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la fixation de l'éthylène sur ce récepteur qui va déclencher la réponse de croissance, et seulement si le récepteur est présent. Donc on a bien, pareil, un mécanisme clé-serrure, la clé c'est l'éthylène, la serrure c'est son récepteur, et donc on a une chémoperception absolument équivalente à la nôtre. L'éthylène, justement, c'est une des substances chimiques volatiles qu'on retrouve souvent dans les publications parlant de communication entre les plantes ou entre les arbres. On a montré qu'une plante, ici, c'est un pied de maïs, lorsqu'il est attaqué par une petite chenille qui lui grignote les feuilles, la plante va fabriquer des substances de défense pour repousser son agresseur, l'herbivore. Ces substances, c'est des substances qui vont gêner sa digestion. Okay. Donc les substances de défense augmentent très fortement dans la feuille qui a été grignotée. Et puis on s'est aperçu que si on place à côté une autre plante qui n'est pas attaquée par la chenille, qui est indemne, eh bien si elle est suffisamment proche, elle va elle aussi se mettre à fabriquer des substances de défense en grande quantité alors qu'elle n'a pas été attaquée. Et on a découvert qu'en fait des substances volatiles circulent de la feuille grignotée jusqu'à la plante à côté et la mettre en état de défense. On appelle ça du priming. Alors, en français, c'est difficile à traduire. C'est en fait de l'empreinte. Priming, ça veut dire empreinte, d'accord ? Et donc, on a montré qu'une plante attaquée pouvait, ou plus exactement, une plante saine était primée par une plante attaquée voisine. D'accord ? C'est finalement une sorte de vaccination, hein, par la plante attaquée, de sa voisine, mais par les airs. OK. Alors, chez les arbres, eh bien, chez les arbres également, on a montré les mêmes processus. Et là aussi, ça date déjà, hein, vous voyez, 1983, c'est les premières publications qui sont fondatrices dans ce domaine de la communication entre les arbres, où on a bien montré un phénomène de priming entre des peupliers dont on arrachait les feuilles pour mimer une attaque d'herbivores, et mesurer l'état de défense, et puis les chercheurs qui n'avaient pas séparé les plantes, elles étaient dans les mêmes chambres de culture, se sont aperçus que les peupliers voisins de quelques dizaines de centimètres, auxquels ils n'avaient pas touché, c'était leurs témoins, eh bien, avaient aussi des substances, des niveaux de synthèse de substances de défense très importants. Donc ils ont démontré le priming également sur les arbres. Et depuis, il y a eu beaucoup de publications qui montrent ce processus-là. Et donc, on aurait bien une communication d'alerte entre les arbres. Quand un arbre est attaqué par un herbivore, il émet des substances volatiles dans l'air qui préviennent les voisins de l'attaque par l'herbivore. Communication d'alerte. Ah oui. Mais quel est l'intérêt écologique et évolutif même ? Parce que évolutif, ça veut dire que ça a été conservé au cours des centaines de millions d'années d'évolution, donc c'est important. Mais quel est l'intérêt écologique, étant donné que quel est l'intérêt d'avertir son voisin d'un danger alors que son voisin est un compétiteur, compétiteur pour la lumière, compétiteur pour l'eau, compétiteur pour les éléments minéraux du sol. C'est la jungle, la forêt. On ne se rend pas compte, mais c'est la jungle permanente pour se procurer les ingrédients nécessaires à sa survie, à sa nutrition.
Donc, quel intérêt d'aider les potentiels concurrents ? Effectivement, en écologie, ça c'est un des grands principes qui a été démontré depuis 40 ans, partager les ressources diminue la valeur sélective de l'individu. Donc, en gros, il vaut mieux pas aider son prochain. Voilà un message sympathique. Alors, il y a aussi d'autres théories. Il y a la théorie de l'altruisme qui dit qu'en fait, en aidant son voisin, en aidant ses enfants, on favorise la diffusion de ses propres gènes. Donc ça, c'est autre chose, mais je ne développerai pas cela. Par contre, je vais vous montrer aussi une autre interprétation. C'est-à-dire que les résultats que je viens de vous présenter, eh bien, il y a d'autres écoles de chercheurs qui nuancent ce que je viens de dire sur cette communication d'alerte et qui disent, qui ont montré que le signal volatile est rapidement perdu de la plante émettrice à la voisine. Alors, il y a eu des publications, je vous ai mis la référence si vous voulez la lire, où en plein champ, en plein vent, le signal volatile est perçu 50 cm au-delà de la plante émettrice. 50 cm. On est loin des dizaines de mètres qu'on peut évoquer dans une forêt. D'accord ? Donc, si, à ce moment-là, alors à quoi serviraient ces substances volatiles ? Donc, l'autre interprétation, eh bien, la voilà, la proposition de cette autre école de chercheurs, c'est de dire que ces substances volatiles émises par une feuille attaquée, par exemple, c'est une communication pour la plante elle-même, pour toutes ces feuilles. C'est-à-dire que ça part de la feuille attaquée, et par la voie des airs, le signal va atteindre très rapidement les autres feuilles de la plante et déclenche leur mise en alerte et la synthèse des composés de défense, très rapidement, beaucoup plus rapidement que si ça passe par l'intérieur. Et donc ces chercheurs, ils ont montré qu'en fait, il y a deux phases de réponse pour une plante attaquée. La première phase, c'est la production d'un signal rapide aérien volatile qui permet de mettre en alerte toutes les feuilles très rapidement de cette plante. C'est ce qu'on appelle la phase de priming, mais le priming de ses propres feuilles. D'accord ? Et en même temps, ça permet l'induction de la phase 2. Alors la première phase, c'est à l'échelle de quelques heures. Donc c'est rapide. La deuxième phase, c'est à l'échelle des semaines qui suivent. Parce qu'à ce moment-là, est produit un autre signal relais à l'intérieur de la plante, de l'arbre, qui va passer par les vaisseaux du bois, donc par les sèves. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus long. Ce sont des molécules solubles cette fois, et ça va permettre de maintenir l'état de défense de la plante pendant plusieurs semaines. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de défense systémique. D'accord ? Donc attention, on a des faits scientifiques, on observe, on mesure des substances volatiles, on peut le faire, ça tout le monde peut le faire avec un chromatogramme à phase gazeuse, pas de problème. Donc tout le monde peut le faire, mais l'interprétation qu'on donne peut être différente. Je vous en propose deux. Je ne sais pas qui a raison. Je ne sais pas quelle est la bonne. Pour l'instant, nous avons ces deux interprétations. Et le problème, c'est qu'on ne parle jamais de la deuxième. On ne parle toujours que de la première. Et donc, cette autre interprétation, voilà, elle se traduit par des voisins espions qui interceptent par accident des messages privés qui ne leur étaient pas destinés, qui étaient destinés aux feuilles de la plante. C'est un véritable Watergate scandale, ou plus exactement un Plantgate scandale, parce que là, on a quand même des espions partout autour de cet arbre. Alors, si ça ne passe pas par l'air, est-ce que ça passe par le sol ? Donc, est-ce qu'il y a des voies de communication dans le sol pour échanger des substances ? Alors, la première que je vous montre, c'est, et ça, je peux vous le démontrer, par l'existence de ces souches sarcophages. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc elles sont dans les bisarbres, les sarcophages, justement. Vous voyez ici une souche d'un arbre qui a été coupé. On est dans une plantation de résineux. Et cette souche, au lieu de voir le plan de coupe, le bois, l'arbre a été récolté, vous voyez que cette souche, elle s'est refermée et elle a fabriqué un bourrelet de liège et de bois qui est venu recouvrir le plan de coupe, complètement. Comment est-ce possible ? Cet arbre, il a été coupé. D'où vient l'énergie nécessaire pour construire ce bourrelet ? Ça dure sur au moins une vingtaine d'années pour refermer un arbre, un plan de coupe de 20-25 cm de diamètre. Donc c'est très lent. D'où vient l'énergie pour ça ? Il n'y a plus de feuilles. L'arbre n'est plus là. Donc obligatoirement, il vient des autres.
d'autres arbres, et effectivement, les arbres qui sont toujours debout autour de lui, qui ont toujours leurs feuilles, leurs aiguilles, et on a effectivement montré qu'en déterrant les racines d'une plantation de résineux, avec des arbres tous de la même essence, ces racines, en fait, présentent des points de jonction très nombreux qui permettent de faire toucher les racines entre elles. Et on a démontré également qu'il y avait des échanges de substances entre l'arbre debout et la souche sarcophage. L'arbre debout nourrit en sucre, fabriqué par sa photosynthèse, la souche, et la souche elle-même puise l'eau et les éléments minéraux du sol pour en faire bénéficier son voisin qui est toujours debout. Donc on a bien des échanges et des voies de communication par les racines qui sont greffées entre elles. On appelle ça l'anastomose. Je vous en montre ici. Alors là, c'est le début d'une anastomose. Vous avez ici un hêtre dont les racines ici sont l'une sur l'autre. Vous voyez qu'il y a une espèce de bourrelet qui s'est construit entre elles deux. Et que se passe-t-il en fait? À cause de la croissance en épaisseur de ces deux axes, elles vont se presser de plus en plus l'une contre l'autre. Et à un moment, elles vont fusionner en fait. L'une est avalée par l'autre, si vous voulez, et finalement j'ai une souche ici avec ici deux axes fusionnés et un bois commun autour, alors que ici il y en a trois, hein, je vois trois moelles et j'ai donc trois axes qui ont fusionné. Alors là j'ai triché, c'est pas des racines, c'est au niveau d'une souche d'un tronc, mais c'est le même principe sur les racines. Okay, donc quand les racines s'appuient les unes contre les autres et grossissent les unes contre les autres, elles finissent par fusionner si elles sont de la même essence. On n'a jamais observé de fusion entre essences différentes. Okay, donc il faut que ce soit de la même essence. Et donc là, oui, on a des arbres qui sont physiquement connectés entre eux, parce que le bois est commun, parce que les tissus conducteurs des sèves, que ce soit sucrés ou non sucrés, sont communs. Donc il peut y avoir des échanges de substances. Ok. Alors, par contre, pour tous les autres qui ne sont pas de la même essence, si je me promène dans ma chaînée charmée, je vois plein d'essences différentes, est-ce que les arbres de ma forêt sont connectés dans le sol? Alors, je vous montre juste ici un extrait d'un documentaire, donc c'est un envoyé spécial qui est passé sur France 2 en 2017, qui s'appelle « Le secret des arbres ». Et vous avez, je vais vous le commenter, il n'y a pas le son, vous voyez ici, donc on est dans une futaie, et vous voyez une petite biche sympathique qui vient se nourrir et prélever des feuilles basses, sur des branches basses, d'un arbre. Et tout d'un coup, ça déclenche un signal électrique qui, vous le voyez en bleu, circule le long des branches, redescend du tronc, va jusque dans les grosses racines, s'enfonce dans le sol, et via je ne sais quoi, gagne les troncs voisins, ça remonte dans les troncs voisins, ça atteint les branches du tronc voisin, et ce signal électrique va déclencher dans les feuilles de l'arbre voisin la fabrication d'une substance répulsive pour la biche, ici des tanins, qui rendent ces feuilles immangeables. Donc quand je vois ça, je me dis, c'est impressionnant quand même, ces signaux électriques là qui passent partout. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Alors, au laboratoire, ça existe, on peut mesurer des signaux électriques. Je vous montre ici, dans le même reportage, vous voyez ici, un petit peuplier qui a été équipé d'une électrode sur sa tige, une électrode dans la terre, et vous voyez les deux collègues, Jean-Louis Julien à gauche, Bruno Moulia à droite, qui tordent une feuille de ce jeune peuplier et mesurent, vous voyez, une dépolarisation du signal. Donc vous avez un pic vers le bas, ça veut dire qu'un signal électrique a été produit lorsque la feuille a été grignoté par Jean-Louis, c'est-à-dire plié par Jean-Louis. Donc ça existe, je peux montrer qu'il y a des signaux électriques. Oui, mais attention, des signaux électriques, je peux vous en montrer partout. Dans le vivant, il y en a partout. C'est même peut-être une des conditions du vivant. C'est de la fabrication de signaux électriques, je vous en ai parlé tout à l'heure avec mécano-sensible. Mesurer un signal électrique, ça ne se fait pas comme ça. Enfin, là, c'est un petit peu pour la télé, si j'ose dire. Parce que mesurer un signal électrique et être sûr de ce qu'on mesure, c'est-à-dire un signal électrique interne, il faut des micro-électrodes qui rentrent à l'intérieur de la plante, qu'on place exactement dans les bons tissus. Il faut un matériel compliqué. C'est compliqué à faire, c'est difficile. D'autre part, je vous dis ça parce qu'on le fait au laboratoire, on a des électrophysiologistes, et sur les peupliers, on montre qu'il y a ces signaux électriques suite à une flexion d'une tige, par exemple, le vent, mais que ces signaux sont perdus au bout de 25 cm. C'est-à-dire qu'on ne mesure plus rien au-delà de 25 cm. 25 cm, ça fait ça.
gagner l'arbre voisin qui est là, 10 mètres plus loin, je doute très fortement qu'il y ait des signaux électriques qui puissent être mesurés d'un arbre à l'autre. En tout cas, chez nous, au labo et dans les littératures, ça n'existe pas. Et il n'y a donc aucune preuve de propagation d'un signal électrique d'un arbre à un autre. Donc il faut aussi, voyez, faire preuve d'esprit critique et aller rechercher les éléments scientifiques pour apprécier une information. Alors, si ce n'est pas des signaux électriques, est-ce que c'est des signaux chimiques qui pourraient passer par le sol ? Vous savez tous, parce que vous êtes gourmands, qu'il y a des champignons qui poussent au pied des arbres, n'est-ce pas ? Je vous ai mis un petit exemple là. Le champignon, là aussi, je pense que je ne vous apprends rien. Ce que vous voyez qui pousse au pied des arbres, ce n'est pas exactement le champignon. Ça n'est que son organe sexuel que vous récoltez. En fait, le vrai corps du champignon, il est dans le sol et il est sous forme. Vous voyez ici dans cette boîte de pétri, c'est juste pour vous montrer, le corps du champignon, c'est un amas de filaments. Ces filaments se répandent dans le sol, sont entrelacés, il y a énormément de filaments mycéliens dans les sols, un petit peu comme un pied de spaghetti au pied des arbres. Et ces filaments, donc, on les appelle le mycélium. Le corps du champignon est appelé mycélium. Ce mycélium s'associe aux racines des arbres. Tous nos arbres tempérés sont mycorhizés, c'est-à-dire qu'ils sont associés avec des filaments de champignons sous forme de mycorhize. La mycorhize, la voilà, c'est une racine modifiée par le mycélium qui vient en fait emballer cette petite racine, cette pointe racinaire au bout du réseau racinaire, hein, comme une chaussette emballe un pied. Et puis vous avez de la chaussette des fils qui s'échappent, vous voyez, des filaments qui s'échappent dans le sol. Je retrouve la même chose si je vous montre une coupe de cette mycorhize, l'intérieur de la mycorhize. En bleu et noir, ce sont les cellules de la racine. C'est les cellules végétales, grandes, pleines d'eau. Et puis en vert fluo, c'est les cellules du champignon mycélien, le mycélium. Donc on a ici à la périphérie la chaussette, c'est-à-dire, en fait, le vrai nom de la chaussette, c'est le manteau. C'est plus rigolo de dire la chaussette quand même. Donc de ce manteau s'échappent des filaments libres dans le sol, d'accord ? Et vous avez également des filaments de champignons qui rentrent à l'intérieur de la racine et qui viennent, voyez, se promener entre les cellules racinaires pour former tout un réseau qui va permettre en fait les échanges de substances entre le champignon et la racine. C'est là qu'elle est, la surface d'échange de la racine. Elle est à l'intérieur en fait, grâce à ces filaments qui s'insinuent entre les cellules de la racine. Et puis donc toujours les filaments libres à l'extérieur qui colonisent le sol et qui forment ce qu'on appelle un réseau d'exploration. Donc ce que je vous ai décrit là, c'est cette mycorhize, ça sert à quoi pour l'arbre, hein, juste au passage ? Ça lui sert à se nourrir. Parce qu'en fait, cette mycorhize qui associe un champignon, ou plus exactement le mycélium de ce champignon, aux racines de l'arbre, permet des échanges réciproques. C'est une symbiose. La symbiose, c'est la vie à deux, à bénéfice réciproque. Donc pour le champignon est nourri des sucres de l'arbre, les sucres fabriqués par sa photosynthèse au niveau de ses feuilles. Et le champignon, lui, va nourrir l'arbre d'eau, d'éléments minéraux et même de petites substances organiques qu'il prélève dans le sol. Et vous voyez ici que le champignon, en fait, c'est le rond bleu par rapport aux racines, c'est le rond rouge. On voit que les filaments libres des mycorhizes vont explorer le sol bien au-delà des racines. Là, on est sur une petite plantule de pin qui a 2 mois, elle est toute petite. Hein. Mais imaginez un arbre centenaire. Le volume de sol exploré par ces filaments mycéliens est gigantesque par rapport à ce qu'il pourrait faire tout seul avec ses racines. Et les filaments sont tellement fins qu'ils peuvent aussi s'insinuer dans des interstices très, très petits dans lesquels les racines ne pourraient pas passer. Et pour l'arbre, eh bien, voyez donc l'augmentation du volume de sol exploré, j'en ai parlé. Le champignon en plus mobilise des ressources inaccessibles pour l'arbre, par exemple les phosphates. Les champignons vont découper les trains de polyphosphate du sol, qui sont des énormes molécules que l'arbre ne peut pas absorber. Et le champignon les découpe pour lui et les absorbe pour lui. Et puis, cette surface d'échange au niveau de ce réseau, je n'ai pas dit son nom tout à l'heure, le réseau de Hartigl, les filaments qui s'insinuent entre les cellules des racines, c'est gigantesque, cette surface d'échange, et ça augmente les échanges. Donc, en gros, la mycorhize permet une meilleure nutrition minérale pour l'arbre. Alors, pour la communication, pourquoi je parle de ça ? Parce que les filaments qui s'insinuent dans le sol, qui quittent les mycorhizes,
et qui s'entrelacent comme des plats de spaghettis dans le sol, se touchent. Et quand deux filaments de champignons se touchent, qu'est-ce qu'ils font ? Souvent, ils fusionnent. Vous avez ici une petite photo où on voit deux filaments, ça s'appelle des ifs, qui ont émis ici des petites bifurcations. Et vous voyez que les bifurcations ici se touchent et fusionnent. On appelle ça des ponts mycéliens. Des ponts mycéliens parce qu'il peut y avoir des échanges de substances d'un champignon à un autre. D'accord ? Donc, deux champignons mycorhiziens qui mycorhizent chacun leur arbre, qui se rejoignent dans le sol et qui se fusionnent avec des ponts, eh bien, ça met en relation physique les deux arbres. Donc, potentiellement, il y a une mise en relation physique des arbres. Et d'ailleurs, on peut même dessiner, ici c'est une forêt, dans laquelle on a dessiné la présence des champignons mycorhiziens sur les arbres. Alors, les ronds verts, ce sont les arbres. Plus l'arbre est gros, plus le rond est gros, plus l'arbre est âgé, et plus il a d'espèces de champignons, de souches de champignons différentes à ses pieds qui mycorhizent ses racines. Et vous voyez qu'un champignon peut mycorhiser plusieurs arbres. Donc vous voyez les étoiles, ça part d'un arbre et ça va mycorhiser plusieurs arbres, jusqu'à une vingtaine d'arbres différents. Et donc vous pouvez dessiner un réseau de connexion par les champignons du sol, un réseau entre les arbres. Ce réseau, on lui a même donné un joli petit nom. Les chercheurs l'ont appelé le WWW parce que ça ressemble à la toile à Internet qui connecte les hommes. Ici, c'est une toile mycélienne qui connecte les arbres. Donc, le WWW a été ici traduit par Wood Wide Web, le réseau de la forêt sauvage, l'Internet de la forêt. OK ? Et ce réseau, donc, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc, plusieurs centaines d'espèces de champignons peuvent mycorhiser un seul arbre. Une vingtaine d'arbres peuvent être mycorhisés par le même champignon, la même souche. Et en plus, non seulement ça connecte les arbres, mais ça connecte aussi les plantes herbacées. Donc, on a véritablement un réseau très complexe dans un sol forestier. Donc, OK, des voies de communication entre les arbres. Donc, ça veut dire qu'il y aurait des échanges de substances à travers ce réseau mycélien. Donc, on a essayé, en laboratoire, de démontrer ces échanges. Vous avez ici des manips qui datent déjà de 10-15 ans. Dans lesquelles, alors, c'est des manips en labo, parce que comment reproduire en laboratoire la forêt ? C'est un écosystème extrêmement complexe. Donc, en fait, on simplifie au maximum pour pouvoir contrôler les facteurs qu'on fait varier dans les expériences. Donc, ici, le système en question, c'est un pot dans lequel on met deux petits arbres. Et ces deux petits arbres, ici, sont séparés, on les sépare d'une gaze. Une gaze qui empêche les racines de passer, parce que les mailles sont trop fines, mais par contre, elles sont suffisamment fines pour que les filaments mycéliens puissent passer. D'accord ? Et donc, chaque arbre est mycorhizé avec son champignon, puis on attend. Alors, on attend quoi ? Ben, on fournit à un arbre qu'on va qualifier de donneur, on lui fournit du dioxyde de carbone, qui est son matériau pour la photosynthèse. Ce dioxyde de carbone, dans l'air qui l'entoure, il est marqué radioactivement. Donc, le carbone est un carbone 14 au lieu d'être un carbone normal, c'est-à-dire un carbone 12. Donc peu importe, c'est un CO2 qui brille. Et ce CO2, il est absorbé par l'arbre dans sa photosynthèse et il fabrique de la matière organique, des sucres, qui vont incorporer ce carbone marqué. Donc on va pouvoir suivre où vont ces sucres, où est-ce qu'on les retrouve. Alors, on en retrouve entre 10 et 30% de toute la production de cet arbre dans son champignon mycorhizien. Bon, ben là, c'est bien, ça confirme que l'arbre, dans la mycorhize, nourrit son champignon, son allié, avec ses sucres, à hauteur, vous voyez, de 10 à 30% de sa production. 30%, c'est pas mal, hein, ça fait un tiers de tout ce qu'il fabrique en sucre qu'il offre à ses alliés fongiques. Et puis, on a cherché, est-ce qu'il y en a dans l'arbre receveur, qui est à droite, et qui est, vous voyez bien, entouré de sa gaze ici. Là, vous ne voyez pas parce qu'il n'y a plus le pointeur. Je remets mon pointeur. Là, ici, la gaze est là. Eh bien, on en retrouve, oui, on en retrouve, entre 0,1 et 1 % de la quantité totale de carbone qu'a fabriqué l'arbre émetteur.
c'est-à-dire très très peu quand même. Tellement peu que ça ne suffit pas pour nourrir le voisin. Peut-être que ça peut suffire pour être une forme d'information, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été tranché. On ne sait pas s'il y a dans ces molécules des molécules véritablement signal. En tout cas, les échanges semblent possibles, mais en très faible quantité. Alors, quand même, je vous rappelle, je réfléchis, je me dis oui, mais enfin quand même, c'est un système tellement simplifié. Un pot avec deux petits arbres. Je suis loin de la forêt de Brocéliande. Les tests en forêt, justement, bah, pourquoi on n'en fait pas? Mais parce que c'est très compliqué. Et puis déjà, utiliser des substances radioactives en forêt, bah, c'est pas très permis. Donc les tests en forêt sont rares. Il faut trouver d'autres moyens de faire. Les quantités de carbone qu'on mesure échangées entre ces arbres, dans toutes les publications que j'ai lues jusqu'à présent, elles sont toujours très faibles, en dessous de 1% de la quantité totale de sucre fabriqué par l'arbre donneur, enfin, en dessous de 10%, pardon, et plutôt, on est plutôt de l'ordre de 1%. En fait, les bilans échangés dans une forêt, on est complètement encore dans l'inconnu. On est incapable de dire si vraiment un arbre est capable de nourrir ses petits. Et puis, on n'est même pas sûr que ça passe par les mycéliums. Parce que finalement, ces substances chimiques, elles peuvent très bien diffuser dans l'eau du sol ou dans l'air du sol et gagner les racines voisines sans passer par le réseau des mycéliums. Donc, on n'est pas sûr que ça passe là. Donc, en gros, ce que je veux vous montrer là, et c'est pratiquement terminé, c'est que c'est encore un front de science, cette histoire de communication entre les arbres. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, le 23 février 2023, donc c'est encore assez récent, vous pouvez aller chercher dans les archives du Monde, le journal Le Monde, il y a un article qui s'appelle « Controverse sur la communication souterraine entre les arbres » qui revient justement sur ces questions de communication par les mycorhizes et qui remet en cause le rôle joué dans le transfert de nutriments et de signaux par des réseaux mêlant des champignons et les racines des arbres. La publication d'origine, parce que c'est une traduction dans Le Monde, bien sûr, elle est ici, si vous voulez lire et vous avez sa référence. Dans cette publication, en gros, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve... Alors, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Les personnes qui ont fait cette étude-là ont pris toutes les publications qui parlent de communication via les mycorhizes, et puis ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait dans ces publications et qu'est-ce qui n'allait pas, en gros. Donc, globalement, ce www, qui a été décrit, ce réseau Internet, sur le terrain, on ne le retrouve pas toujours. C'est assez mal documenté. On n'est pas tout à fait sûr de bien le retrouver. Les rôles de ce réseau sont insuffisamment étayés. Ça veut dire étayés de quoi? Étayés de preuves. Quand on lit dans une publication que ça passe par le réseau et ça fait ceci ou ça fait cela, il n'y a pas les preuves. Il n'y a pas d'expérience qui peuvent être reproduites. Donc, ça fait douter. Il y a même carrément, dans certaines publications et certains écrits, surtout médiatiques, des carrément absence de preuves. Et donc, des écrits qui avancent des choses qui ne sont fondées sur rien. Et d'autre part, encore une fois, on oublie les interprétations alternatives. Parfois, on voit toujours revenir la même. La communication par les airs, je vous l'ai montré tout à l'heure, on oublie toujours de parler de cette communication intra-plante qui n'est peut-être qu'une communication qui déborde. Jamais on ne le voit. Et pourquoi? Parce qu'on a toujours envie de lire ce qui nous satisfait. On a, et moi la première, tout le monde, c'est humain, nous avons des biais cognitifs, dont le fameux biais de confirmation, qui fait que vous ne lisez, vous n'approuvez que les informations qui viennent étayer ce que vous avez déjà lu par ailleurs. Si on vous dit « les arbres communiquent par les champignons mycorhiziens », c'est tellement formidable cet Internet de la forêt que vous n'accepterez plus d'autres informations que celles-là. C'est le biais de confirmation. Et c'est un biais contre lequel les scientifiques essayent de lutter. Et on n'y arrive pas toujours. Voilà, donc, en bilan et en conclusion, je vais essayer de voir est-ce que ça communique ou pas, est-ce que j'ai rempli mes trois missions, là. Donc, je vous ai montré que l'arbre est un être sensible qui répond et qui perçoit, pardon, l'inverse, qui perçoit et qui répond, et que donc, oui, le premier item est rempli. Je vous ai montré que l'arbre peut être connecté à ses congénères et aux plantes herbacées de son milieu par le réseau mycorhizien ou même par ses racines fusionnées entre elles, les racines anastomosées. Et que via ce réseau,
mais vous voyez que je l'ai mis dans une autre couleur, il est possible que l'arbre échange des substances avec son voisin. Et donc ici, je mettrai un gris clair. Parce que ça n'est pas encore complètement ficelé, ça n'est pas encore complètement prouvé. Par contre, j'ai montré également que l'arbre produit des composés volatiles dans l'air qui peuvent être perçus par les autres arbres, qui ont les, s'ils ont les bons récepteurs, ça veut dire s'ils sont capables de décoder le signal et donc s'ils partagent un langage commun. Et donc tout ça pour vous dire qu'en gros, si vous allez repartir avec une information, c'est la communication entre les arbres, ben, je ne sais pas, c'est encore un front de science. Et comme la science avance, je serai capable de vous en dire plus dans 10 ans. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est juste pour vous donner un petit, des petits éléments bibliographiques. Dans mes 2 livres, évidemment, je les ai mis parce que j'aborde cette question de la communication, surtout dans La peau d'un arbre, où là, j'ai vraiment bien décrit les choses. Et puis dans Les bizarbres, où je suis revenue sur les fusions racinaires, par exemple. Il y a 2 autres livres fort sympathiques que je vous conseille de lire « Jamais seul » de Marc-André Sellos et « La forêt hyperconnectée » de Francis Martin. Francis Martin, qui est le grand spécialiste des mycorhizes en France, un chercheur INRAE de Nancy. Donc ces 2 livres, ils sont très sympathiques. Si vous voulez regarder des films, « Le génie des arbres » est paru sur Arte en 2020, mais il repasse périodiquement, je le vois repasser périodiquement, donc je vous conseille vraiment ce documentaire qui est très bien fait. Et puis ici, des articles un petit peu plus anciens, dans la revue Espèces en 2018, « L'intelligence des arbres, mythe ou réalité ?» Là aussi, on s'interroge. Et ici, un article qui est sur le site de Forêt privée française. Vous tapez « Sensibilité et communication », vous allez tomber dessus, hein, il est en libre service. Il s'appelle « Sensibilité et communication des arbres entre faits scientifiques et gentils conteux de fées ». Voilà, et je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, merci, merci beaucoup pour cette belle conférence. Et si vous avez des questions, vous nous faites signe, on vous donne le micro. Voilà, alors il y a des bras qui se lèvent. Tu y vas ? On viendra vous voir après, monsieur. Bonsoir. Alors déjà, merci pour la conférence. Alors je me souviens, j'étais allé voir une conférence de Francis Allais en début d'année, qui lui, pour la communication par signaux chimiques entre les arbres, prenait l'exemple des acacias. Et là, il me semble qu'eux, ils sont à plus longue distance, justement. Donc c'est Les acacias et les coudous, les fameux. Alors, les acacias et les coudous, c'est un système, j'allais dire une histoire, mais une histoire qui traîne dans la littérature. Est-ce que j'ose ? C'est vraiment, pour moi, l'exemple même de la fake news, qui est née dans les années 70-80, et qui est parvenue jusqu'à nous, et qu'on continue à lire périodiquement dans les journaux en 2024. Quoi. Pourquoi je dis ça ? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que ça manque de preuves étayées et de preuves scientifiques. Donc l'histoire, vous la connaissez, ces coudous, ce sont des gazelles qui broutent des acacias en Afrique. Et il y a eu du remembrement, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a réduit la taille des parcelles de ces gazelles. Donc on a augmenté, elles ne peuvent plus s'en aller, elles ne peuvent plus aller loin. On a augmenté la pression herbivorie de ces gazelles sur les acacias. Et ces gazelles meurent de manger ces feuilles d'acacia qui sont surbroutées, si vous voulez, qui produisent des substances de défense, des tanins, qui sont indigérables par ces gazelles, et elles en meurent. Je vous ai raconté à peu près tout ce qu'on sait. C'est-à-dire, je nie pas que ça existe. C'est-à-dire qu'un arbre produit des substances de défense qui repoussent l'herbivore. Si l'herbivore ne peut pas s'en aller parce qu'on a mis des barrières et qu'on a réduit la taille de la parcelle, il est condamné à manger ces feuilles-là et à mourir. Ça, c'est vraiment établi. Après, l'histoire dit que les gazelles remontent le vent pour aller chercher des arbres qui ne sont pas encore broutés par les propres gazelles et surtout qui ne sont pas sous le vent des premiers et qui n'ont donc pas été prévenus par l'éthylène qui circule dans l'air. Ça, c'est une interprétation parce qu'on n'a aucune mesure de cette production d'éthylène par les arbres. On n'a aucune preuve que l'éthylène est toujours là, 30 mètres plus loin. Quand je vous dis que les
études que j'ai, qui existent sur le terrain, c'est 50 cm autour de la plante, où on ne mesure plus rien, où il n'y a plus de signal. Voyez ? Donc, je ne sais pas ce qui est vrai. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça manque de documentation et de preuves scientifiques. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Tella Botanica. Vous connaissez ce site ? Tella Botanica, c'est le site des botanistes français. Vous allez sur Tella Botanica et vous tapez dans la recherche de Tella Botanica Acacia Kudu. Et vous allez tomber sur un article qui a été rédigé par un collègue en français et qui reprend toute l'histoire et qui montre, enfin qui redit qu'il n'y a pas de preuve en fait. On a donc transmis cette histoire qu'on a enjolivée avec l'éthylène. L'éthylène apparaît alors que le scientifique en question qui fait les premières constatations n'a jamais parlé d'éthylène. Donc dans la publication d'origine, que je peux, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer, puisque j'ai réussi à mettre la main dessus, mais il n'y a rien en fait. Il y a juste la production de substances de défense par l'arbre attaqué. Mais il n'est pas question de communication. Et pourtant, on en a fait ça. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, quand on raconte quelque chose, vous savez, nous, les êtres humains, mais moi aussi, la première, hein, on a tendance à en rajouter, à enjoliver. Tout d'un coup, l'éthylène apparaît, et l'éthylène est apparu dans un récit, et il est resté. Et ça a été transmis d'un passeur à l'autre, d'un médiateur à l'autre, jusqu'à nos jours. Mais quand on remonte la source, on ne trouve pas de preuves, en fait. Donc, j'ai beaucoup de respect pour M. Allais, mais pour moi, cette histoire-là, elle ne devrait pas être montrée, être racontée. Alors, évidemment, vous avez vu, moi, je vous ai parlé de mes peupliers et de l'étude de Baldwin en 83. Parce que là aussi, j'ai la publication, et là, il y a la preuve qu'il y a effectivement du transfert de substances volatiles dans la chambre de culture. Donc ça, c'est vraiment une publication fondatrice. C'est les mêmes époques, hein. 83, c'est l'époque à peu près de l'histoire des acacias et des koudous, qui pour moi n'a aucun fondement scientifique, ou très peu en tout cas. On peut continuer à chercher de toute façon. Mais bien sûr. Et on continue à chercher. On continue. Qui a demandé le micro ? Il y a quelqu'un qui l'a déjà ? Non ? Alors allez-y. Oui, j'apprécie beaucoup les conclusions de vos recherches. Néanmoins, je pense que vous auriez peut-être pu insister sur un autre aspect, c'est la souffrance de l'arbre, parce que les théories que vous avez présentées s'expliquent surtout dans la saison d'été. Mais l'hiver, notamment, l'arbre, on le taille, l'arbre fruitier notamment, de telle façon qu'il puisse repousser à la belle saison. Si on veut qu'un arbre ne repousse pas du tout, on va le tailler plutôt l'été, parce que là, on sera sûr qu'il ne repoussera pas. On va le couper. D'accord. Donc, votre question, c'est de me dire que je n'ai pas parlé de la souffrance des arbres, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui, qui permet justement de les entretenir ou de les cultiver. D'accord. Donc, si je puis me permettre, la question aussi, c'est de se demander, est-ce que ça souffre un arbre ? Déjà, première question. Et pour se poser cette question-là, c'est se poser peut-être la question, c'est quoi la souffrance ? Pourquoi ? Nous souffrons, on le sait. Hein. Moi, j'ai mal au dos, souvent, je souffre. Vous souffrez si vous mettez votre main dans la flamme, vous la retirez très vite. Vous souffrez si vous vous faites mordre par un chien, et puis la deuxième fois où vous verrez le chien, vous passerez votre chemin parce que vous connaissez cette souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance ? C'est un signal d'alarme pour vous, pour votre corps, parce que nous, êtres humains, nous avons un corps qui doit rester intègre. Si je vous coupe un bras, vous vivrez, mais vous vivrez moins bien. Si je vous coupe la tête, vous ne vivrez plus. Donc l'intégrité de votre corps est importante. La souffrance, c'est donc un signal d'alarme. Ok, maintenant qu'on a compris ça, est-ce que je peux trouver la même chose dans un arbre ? Alors, la première chose, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que la souffrance chez nous, elle passe par des capteurs sensoriels particuliers, qu'on appelle des nocicepteurs. La perception de la douleur, de cette souffrance, elle est, on appelle ça la nociception, elle est des récepteurs particuliers. On a cherché la présence de ces récepteurs dans les génomes des plantes, des arbres, comme on a cherché les canaux mécanosensibles qu'on trouve. Eh bien, les nocicepteurs n'existent pas dans le monde végétal. Donc la souffrance telle que nous, on la perçoit, on l'a, elle n'existe pas dans le monde végétal. Oui, mais là, elle n'existe pas sous notre forme à nous. D'accord ?
Ensuite, deuxième chose quand même, posons-nous la question. Je vous ai expliqué, et vous êtes d'accord avec moi, que la souffrance, c'est un signal d'alarme pour préserver l'intégrité de votre corps. Pour un arbre, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'un arbre ou une plante ? Parce que, premièrement, ça vit fixé. C'est-à-dire, ça ne peut pas échapper à celui qui la grignote, à celui qui le coupe, etc. Donc, il n'y a aucun échappatoire, il n'y a pas de fuite possible. Il n'y a pas... d'autre part, l'intégrité du corps de l'arbre, eh bien, ça repousse. Justement, si on coupe la tête d'un arbre, si on le mène en trogne, il va toujours repousser. Donc, on a une capacité et une intégrité du corps qui n'est pas la nôtre, en fait. Donc, on pense que la souffrance et la douleur n'existent pas dans le monde végétal parce qu'elle n'a pas d'utilité. Par contre, ce qui existe, et vous m'avez bien, j'espère, je vous ai convaincu, c'est la sensibilité. C'est-à-dire, quand vous coupez un arbre, quand vous coupez une feuille, bien sûr qu'il y a une perception de cette blessure. Mais la blessure, elle va être compartimentée et l'arbre, il va pousser dessus. Et en gros, il s'en fiche complètement, quoi. Oui, mais il y a une adaptabilité de l'arbre aux saisons qui fait que ben, l'arbre n'a plus de feuilles l'hiver. Oui, pour les feuillus. Il vit de façon beaucoup plus sèche, en fait, durant l'hiver. Oui, c'est sûr, il y a un cycle de vie qui oscille avec les saisons, oui. Alors, j'ai une question sur Internet. Les arbres sont-ils sensibles au son ? Si oui, les sons peuvent-ils les influencer dans leur comportement ? Est-ce que l'effet du bruit sur les végétaux a une conséquence ? Alors, déjà, est-ce que le bruit, le son, a un effet sur le végétal ? Donc ça, ce sont des recherches qui sont très récentes. Ah. Alors, attention, des recherches scientifiques très récentes. Par contre, on pense que les plantes entendent les sons et poussent mieux quand on leur fait écouter Mozart que quand on leur fait écouter AC/DC depuis les années 70. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un grand mouvement dans les années 70 qu'on appelle le mouvement New Age. Dans le New Age, il y a cette tendance à prêter des sensations, à prêter une âme à la plante, à l'arbre, etc. Donc on est dans le domaine plutôt des croyances. Et comme on pourrait croire que la forêt de Brocéliande est magique... Vous allez aller vérifier les jours prochains. Je vais aller vérifier les jours prochains. Parce que quand même, là, ça m'interroge. Donc cette histoire des sons, ça fait longtemps que ça traîne dans les questionnements des êtres humains sur les plantes. Et en fait, c'est assez récent qu'on a mené des expériences. Alors, on a des résultats d'une chercheuse italienne qui montre que les racines de plantules qui poussent dans un milieu nutritif liquide, lorsqu'on place un haut-parleur dans la cuve où poussent les racines, et qu'on diffuse un son dont la fréquence est proche de la fréquence du son d'un torrent, eh bien, les racines de ces plantules de maïs s'orientent vers la source du son. Ça, c'est une des premières manips qui a une dizaine d'années. Donc, c'est quand même déjà assez impressionnant. Et puis, on a aussi, depuis pas mal de temps, des gens qui font écouter, qui diffusent des sons dans les vignes pour soigner, pour rendre les vignes plus résistantes face aux pathogènes. Et puis, il y a des gens qui vendent des mélodies aux viticulteurs. Et donc, il y a des scientifiques qui se sont dit « Mais c'est pas possible, il faut qu'on aille vérifier. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Ou est-ce qu'on vend du rêve ?» Eh bien, il y a quelque chose derrière. Et effectivement, assez récemment, hein, l'année dernière, il y a eu de nouvelles expériences qui ont été faites par des chercheurs français, des chercheurs de Marseille, en collaboration avec des gens du PIAF, parce que je vous rappelle que le son, c'est une vibration de l'air, c'est donc un signal mécanique. Et donc, il y a eu des travaux faits entre Bruno Moulia, que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, et des chercheurs marseillais, et qui sont parus, si ça vous intéresse, très récemment dans le Pour la Science du mois de janvier. Dans le Pour la Science du mois de janvier, il y a un article de vulgarisation sur l'effet du son sur les plantes, et ils mesurent bien qu'il y a une amélioration de la défense des plantes par l'émission de certains sons. C'est du priming, en fait, encore une fois, par le son. Donc il y a sûrement quelque chose, mais là encore, alors non seulement c'est un front de science, mais j'allais dire, on vient juste d'entrouvrir la porte. Donc voilà.
Ça va se poursuivre. Il y a plein de félicitations sur Internet en disant super conférence, etc. Il y a même un petit coucou de Saint-Pierre et Miquelon. Mais je donne la parole à André, à qui que j'ai failli oublier. C'est pas possible. Hein? Ah si, toujours des questions sur tous les sujets. Il fait lui-même sa publicité maintenant, André, de plus en plus. Non, je voulais demander simplement, c'est comment l'arbre, la plante ou tous les végétaux sont-ils programmés pour former leur forme comme ça? Est-ce que dans la graine elle-même, il y a déjà en germe, disons, dans le noyau primitif qui transforme, qui multiplie ses cellules, est-ce qu'il y a un programme qui va directement vers la forme pour laquelle il est destiné, quoi? Merci, André. C'est une très jolie question. Et oui, bien sûr. C'est-à-dire que dès la première cellule, dès la fécondation qui va mener à l'embryon dans cette graine, cette première cellule, elle a un patrimoine génétique qu'elle hérite de son père et de sa mère, donc du pollen et de l'ovule qui lui donne l'essence, en fait. Et donc, oui, bien sûr, c'est déjà inscrit dans le patrimoine génétique que cet embryon-là sera le futur chêne de la forêt de Brocéliande ou sera l'épicéa à l'étage subalpin dans les Alpes. Donc, ce que je veux dire, c'est que la forme, l'essence d'un arbre, elle est inscrite, elle est portée par son patrimoine génétique. Comme nous, nous sommes des homo sapiens, nous avons un patrimoine génétique commun. Par contre, on ne se ressemble pas tous, parce que nous avons de légères petites variations dans notre patrimoine, mais on a un patrimoine génétique d'Homo sapiens. Pour les arbres, c'est la même chose au passage. Tous les chênes de la forêt de Brocéliande sont aussi différents que les gens qui sont dans cette salle ce soir. Donc ça, c'est la composante génétique. Elle est très importante. Mais par contre, elle n'agit pas seule. Elle est modulée par la composante environnementale, c'est-à-dire les facteurs de l'environnement qui peuvent faire varier la forme de cet arbre. Je reprends encore l'exemple du chêne. Si vous regardez un chêne pédonculé, donc c'est une essence, Quercus robur, qui pousse en futaie dans une forêt dense, vous aurez un Quercus robur très élevé avec un tronc très allongé et un houppier qui est porté très haut et qui est assez étroit. Le même chêne, c'est exactement le même. Si ce gland avait germé dans le pré d'à côté, dans un endroit ouvert, à ce moment-là, son tronc serait très court, il aurait des branches basses très étalées, et une forme, il serait moins haut souvent, il monte moins haut, et il a une forme beaucoup plus étalée. C'est pourtant le même patrimoine génétique. Mais d'un côté, il vit dans un milieu ouvert très lumineux, et de l'autre côté, il vit entouré de congénères qui le forcent à faire la course à l'échalote, c'est-à-dire à pousser le plus vite possible vers le haut. Alors, une question, qui a le micro? Faites-nous signe. Voilà, allez-y, je vous en prie. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si vous avez déjà entendu parler de travaux ou réalisé des travaux qui permettraient de savoir si oui ou non les arbres ont une mémoire. Par exemple, vous aviez parlé du plant de maïs qui réagissait donc, à la chenille. Est-ce qu'ils sont exposés tous les jours à cette même chenille, à la même heure? Au bout d'une certaine période, il émettrait par lui-même ces fameuses molécules? Ouais, c'est une très très belle question également. Donc, la question de la mémoire, donc, c'est-à-dire une information, la mémoire c'est quoi? C'est une information qui est stockée sous une forme ou sous une autre et qui peut être rappelée pour être utilisée, quoi, en gros. Et à cette question de mémoire, on associe finalement l'apprentissage, parce que l'apprentissage nécessite cette mémoire de l'expérience. Ça, c'est le préambule. Donc oui, on a travaillé là-dessus et on a montré, justement, les études sur le vent. Un arbre qui pousse dans le vent, je vous ai montré, donc, fait de la tigmomorphogenèse. C'est-à-dire quand je fléchis mon arbre, je ralentis la croissance en hauteur, je déclenche la croissance en épaisseur et l'ancrage. Quand on a commencé ces travaux-là, c'était il y a 20-25 ans, et les forestiers, ils nous riaient au nez. Ils disaient, oui, bon, enfin, ça, c'est un artefact de labo, parce que si c'est vrai ce que vous dites, un arbre qui vit dehors, qui est en plein vent tout le temps, il ne pourrait jamais grandir, puisque ça arrête sa croissance en hauteur et ça augmente sa croissance en épaisseur. On n'aurait que des forêts naines. Donc, ils nous disaient, c'est pas possible, votre truc. Et donc, on a montré, en fait, qu'il y a une forme de mémoire. C'est-à-dire, quand on fléchit une première fois un peuplier, on déclenche une réponse de tigmomorphogenèse qu'on mesure en fait en suivant l'allumage de certains gènes.
D'accord ? Ça se mesure à l'échelle moléculaire. Et puis, si on refait une même flexion 24 heures plus tard, pour redéclencher la même réponse, on s'attendait à ça, on s'attendait à ce que l'arbre... Parce que la réponse, elle monte, elle s'amortit dans les heures qui suivent. D'accord ? Donc la deuxième flexion, on s'attendait à ce que il recommence, l'arbre. Et en fait, 24 heures après, il ne répondait pas plus que le témoin d'à côté qu'on ne touchait pas, alors qu'on le fléchissait. Alors on a éloigné la deuxième flexion, on a essayé 48 heures après, 3 jours après, 5 jours après, 10 jours après. Et il a fallu attendre 10 jours d'espacement entre les deux flexions pour que l'arbre refasse une réponse de tigmomorphogenèse comme à la première flexion. Ce qui montre qu'il y a une sorte de mémorisation du premier signal qui empêche le déclenchement de la tigmomorphogenèse dans les jours qui suivent. Vous m'avez suivi ? Donc une forme de mémoire, d'accord ? Et on a ça, c'est encore une fois montré en laboratoire sur des petits arbres. Donc là aussi, on s'est dit, faut qu'on aille plus loin. On a donc été à l'échelle de la forêt. Dans une hêtraie vers Nancy, on a fait une manip où on a aubané des hêtres avec des câbles pour les empêcher d'osciller dans le vent. D'accord ? Il y avait à côté les hêtres témoins qui oscillaient dans le vent. Et la troisième catégorie d'arbres, c'est des arbres qu'on fléchissait. Alors, pareil, avec un câble, on les tirait, on faisait un test de traction. On les ployait vers le sol, très fort, hein, c'était sévère, et puis on les relâchait, pour mimer un coup de tempête très fort. D'accord ? Et dans ces trois catégories-là, on a mesuré la croissance en diamètre pendant la saison végétative, pendant l'été, mois de juin, juillet, août. Donc on a mesuré la croissance, et on s'attendait à ce que celui qui oscille dans le vent, le témoin, fasse énormément de bois, celui qui était tiré très fortement vers le sol, en face également, et celui qui était au banné n'en fasse pas. D'accord ? Et en fait, on n'a pas eu ça du tout comme résultat. Le résultat, c'est que entre les hauts bannés et ceux qui oscillaient dans le vent, les vents quotidiens d'été, aucune différence. Il n'y avait pas plus de bois dans ceux qui étaient ventés que dans les hauts bannés. Et par contre, il y avait beaucoup plus de bois formé dans celui qui était, pour lequel on mimait la tempête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces arbres qui avaient déjà 15-20 ans, qui étaient déjà donc assez grands, avaient appris, c'est fou, hein, mais avaient appris à reconnaître les vents thermiques, les vents classiques de l'été, et ne répondaient pas à ces vents-là, pas plus que celui qui ne bougeait pas, qui était aubané. Par contre, celui qui était mimé dans la tempête, lui, enclenchait une réponse de tigmomorphogenèse. Donc on a montré par là que les arbres, en fait, filtrent les vents courants parce qu'ils ont mémorisé, d'une façon ou d'une autre, ils ont mémorisé ces signaux et ils ne répondent plus qu'à des signaux qu'ils n'ont pas encore vus, des signaux forts, en fait. On va prendre une dernière question avec une réponse assez courte, si possible. Je ne sais pas faire quoi. Bonsoir. Allez-y, je vous en prie. Merci pour la conférence. Une question, le feuillage par rapport aux couleurs dont vous avez parlé tout à l'heure, le feuillage des arbres qui change en automne, on perçoit des couleurs qui changent. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'arbre ? Il relargue, enfin, je ne sais pas... Oui, tout à fait. Très bonne question. Donc, en fait, vous voyez les feuilles vertes, vous les voyez virer au jaune, orangé, parfois au rouge. Donc, ce qui se passe essentiellement, c'est que les chlorophylles que votre œil perçoit comme étant vertes, ces chlorophylles, enfin, c'est elles qui font que les feuilles sont vertes, ne sont pas renouvelées. Normalement, elles sont renouvelées en permanence pendant tout l'été. Et puis, vers la fin de l'été, elles arrêtent d'être synthétisées et elles sont démontées. Donc, les chlorophylles sont dégradés, il n'y a plus de vert, et ce vert masquait les autres pigments présents dans la feuille, c'est-à-dire tout ce qui est caroténoïdes, donc pigments jaune-orangé. Et donc, à ce moment-là, on les voit apparaître parce que le vert ne les masque plus. Et puis, ce jaune-orangé va aussi être dégradé un peu plus tard, jusqu'à ce que la feuille brunisse, en fait. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Vous allez peut-être continuer Merci la beaucoup. Discussion, si vous voulez, avec Catherine Laine. Merci. Merci beaucoup, Catherine Laine. Allez.